Ah, je quand. Non, il m'arrive rien, je suis juste dans mon canapé. Ah, d'accord, parce que quand je te voyais comme ça, je me dis, elle est bloquée du dos, elle est bloquée des cervicales, il y a un truc qui ne va pas. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ok, pardon. C'est mignon, j'adore. Vous occupez les unes des autres. C'est trop bien. Bon, j'espère que je suis en train d'enregistrer. Oui, en cours d'enregistrement. Bon, normalement, donc, ça devrait fonctionner. Donc, bon, alors, du coup, le cours commence. L'intuition. En fait, la phrase qui m'a inspirée à donner ce cours, c'est celle d'Albert Einstein que je vous redis. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Alors, j'ai d'abord en fait, c'est pas moi qui vais commencer le cours, c'est vous aujourd'hui, avec cette question. Pourquoi avons-nous fait cela? Alors, peut-être que tu pourrais relire la question, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais lire relire tout. Allez, je Merci. relis tout. Salut Emma. Salut, Emma. Je pense que c'est pour donner la sécurité, pour se sentir entre guillemets en sécurité, non? OK. Peut-être parce que l'homme veut contrôler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Voilà, je relis la question donc pour Merci. Emma en plus vient d'arriver donc. Bonjour. 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 L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. Albert Einstein. On est toujours dans le rationnel plutôt que dans l'intuition, peut-être. Et donc, j'ai commencé en disant, bah, c'est vous qui allez commencer le cours avec cette question. Pourquoi avons-nous fait cela? Pourquoi avons-nous créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau? Donc, Amalia a dit, ben, peut-être pour se sentir plus en sécurité. Yvette a dit pour tout contrôler. Donc, ce qui rejoint la même chose, en fait, contrôler pour se sentir en sécurité. Oui. Pour se rassurer, oui, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant pour le mental, hein, d'où on parle, hein, c'est ça, c'est plus rassurant pour la tête. Et puis, de toute façon, on reconnaît plus du tout tout ce qui est intuitif et empirique. Par exemple, il faut une preuve scientifique, la preuve empirique de la médecine chinoise qui est juste qu'on fait quelque chose sur un patient et ça fonctionne. Et ça c'est une preuve pour la médecine chinoise. Que ça fonctionne, bah nous il faut des machins en double aveugle, etc. Parce que sinon ça vaut pas. On se fiche complètement de tout ce qui est empirique et intuitif et on le reconnaît pas du tout. Au contraire, on s'en méfie. Tout à fait, c'est magnifiquement dit. C'est magnifiquement dit. Toujours trouver la preuve, tout étiqueté, pour que là-haut ça comprenne. Si là-haut il dit bon bah d'accord, j'ai validé, ok, je peux pas faire autrement que d'admettre, bon bah d'accord, je l'admets comme une nouvelle croyance. Pendant un temps, hein, la Terre était plate, et puis certains avaient cette intuition non prouvée qu'elle n'était pas plate. Ils ont mal fini. Donc en fait, voilà, c'est parce qu'on a peur, hein. Enfin, le mental a peur. C'est magnifiquement dit par vous, là. C'est sublime. Donc moi, j'ai envie de vous parler des vasanas. Les vasanas sont nos mémoires. Le mental va enregistrer en fonction des expériences qu'il fait. Ben, un souvenir qu'il va considérer comme bon ou mauvais. Donc, par exemple, il va, si c'est pour lui c'est un souvenir mauvais, il peut créer du rejet. C'est-à-dire, donc, ce que nous disent les Yoga Sutras pour les causes de souffrance. Alors, le sutra 2, donc du chapitre 2, le numéro 3 au 9. Les causes de souffrance sont la méconnaissance, l'ego, l'attachement,
la répulsion, la peur. Les causes de souffrance sont la méconnaissance, l'ego, l'attachement, la répulsion, la peur. Qu'est-ce que la méconnaissance ? Finalement, la méconnaissance, c'est ce que nous dit Albert Einstein. Donc, c'est en fait cette cause de souffrance-là qui porte toutes les autres. C'est-à-dire que c'est une confusion entre le témoin qui perçoit et l'objet qui peut percevoir l'extérieur. Vous voyez, c'est confondre le témoin et l'œil. Si je puis résumer ainsi. Patanjali nous donne une explication un petit peu plus détaillée. Il dit « La méconnaissance est le terrain portant les autres, qu'elle soit latente, faible, intermittente ou intense. » La méconnaissance, c'est reconnaître l'éternel dans l'éphémère, le pur dans l'impur, le plaisir dans la souffrance, l'absolu dans le relatif. C'est-à-dire prendre cette dualité que nous expérimentons pour le 1. Confondre le 2 et le 1. Ça vous va pour l'instant ? L'ego, nous dit Patanjali, est le fait de voir comme une unique essence la faculté du principe qui perçoit et celle de l'instrument de perception. C'est... il me vient une image, mais alors, voyons, c'est là où je sais que je suis vieille. Le manche-disque, tu vois, et le disque. Donc, la création, c'est le disque, et c'est comme si le manche-disque se prenait pour le disque. Bon, c'est une image, hein. C'est le récepteur radio qui se prend pour l'émission de radio. Et tout l'enjeu du yoga, c'est ça, hein. Puisque dès le troisième sutra, on comprend ça, hein, on comprend que le principe. Alors voilà, le yoga c'est pour diriger les facultés du psychisme, les activités du psychisme. Alors le principe de conscience s'établit en sa vraie nature, ce que je pense que Einstein appelle l'esprit intuitif. Le principe de conscience s'établit en sa vraie nature. Autrement, il y a identification aux activités psychiques. On s'identifie aux activités du psychisme. Alors, les causes de souffrance, on a vu la méconnaissance, l'ego, l'attachement. L'ego, l'attachement. L'attachement est une anticipation. L'ego, c'est un deuxième point, ça ne va pas avec la méconnaissance. Voilà, c'est le deuxième point, oui. L'ego, c'est le fait de voir comme une unique essence la faculté du principe qui perçoit, c'est-à-dire le témoin, et celle de l'instrument de perception. L'attachement est une anticipation qui suit l'expérience du plaisir. Voilà, le mental... vit un plaisir, et là, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il engramme ça pour que ça recommence, et que ça recommence, et que ça recommence. Et il en oublie l'instant. C'est quand, dans cette méconnaissance, mélanger comme le dit Patanjali, l'éternel dans l'éphémère. Le rejet est une anticipation qui suit l'expérience de la souffrance. C'est l'inverse. Tiens, j'ai une mauvaise expérience, donc je vais m'en souvenir et donc je vais programmer le futur comme ça, je ne le veux plus. Donc, c'est un futur posé sur de l'ancien. Toujours. Tant qu'on est là-dedans... soit dans l'attachement, soit dans la répulsion, c'est toujours un futur imaginé sur un souvenir. Ça marche pour ça ? Ouais. C'est plutôt simple. Hein.
Non. Il faut se concentrer quand même. Oui, oui, il faut qu'on se concentre. Mais c'est vrai qu'heureusement, on a eu déjà les autres stages pour voir tout ça, parce que c'est finalement un peu toujours une redite. Là, je vais vous parler d'un sutra dont on a aussi parlé il y a 15 jours. D'ailleurs, merci encore pour votre compréhension de la semaine dernière, mais je vais vous expliquer aussi, ça va faire partie du développement. Et donc, le 9e, on a parlé de la peur, hein, déjà, dans l'amour et la peur. Et là, ben, ça parle à nouveau de la peur établie même chez l'érudit, l'amour de la vie ou la peur de la perdre, porte en soi sa propre régénération. Donc, la peur, c'est la peur de perdre la vie. C'est la peur ultime, en fait, hein, qui crée toutes les autres, finalement. Et puis, quand tu te donnes le droit de mourir, eh bien, finalement, qu'est-ce qui reste ? Oh, ben tiens, ben, je vais vivre. Ben, je vais vivre quoi ? Ben, l'instant présent. Il n'y a plus que ça, finalement, en fait. Puisque tu te dis, mais finalement, mourir, c'est ça ? Ah, ben, tout va bien, alors. Dans le souffle de la grâce, ce que j'avais raconté à Sandy, la femme de Grégory Moutambo, elle m'avait dit, oh, tu nous fais un écrit, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'était, en fait, un saut dans un lieu. Je ne sais pas si on pourrait dire un lieu, je pense que c'est un saut dans ce que nous sommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes chats a été écrabouillé. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pleuré. Mais je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, ce chat, je ne le connaissais que depuis 6 mois. Certes, il faisait super bien son boulot de chat, mais il y avait quelque chose d'extrêmement fort, en fait, qui s'est passé. Je pense que j'ai transmuté beaucoup de souffrances pour beaucoup de gens. Mmh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai pleuré. Et puis, j'étais là à m'excuser auprès des enfants et tout. Je suis désolée, maman, elle pleure, je ne sais pas pourquoi. Et puis, le lendemain, pendant la pratique de yoga, une torsion, mais de rien, tu vois, une petite torsion toute douce, toute rien du tout. Je pars dans un espace où je ne sais plus trop, je ne sais pas mon identité. Je sens que je suis incarnée, mais par les pieds seulement. Et en fait, je suis d'une vastitude infinie, surtout je baigne dans un amour inconditionnel. Ça, c'est quelque chose qui reste. Et en même temps, plus j'en parle et plus ça s'étiole. C'est un amour d'une puissance incroyable. Enfin, c'est, bon, y a pas de mots, quoi. Bref, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de mots. C'est dans le noir, mais les couleurs sont sublimissimes. Je sais tout. Je vois partout. Je ne sais pas comment vous dire. C'est d'une vastitude infinie. Le chat vient à moi. Il se matérialise suffisamment pour que je sente son poil, son odeur, c'est lui. Et par télépathie, il me dit « je vais bien ». Et là, je sens en moi que la peur de la mort s'efface. À tout jamais. Ça s'arrête. Une paix mais infinie, une sérénité incroyable s'installe. Et là, je suis comme aspirée dans un corps tout petit, tout petit, tout restreint, et je retrouve la conscience de mon identité, en fait, de mon personnage, de la personnalité. Et je vois toute la distance entre le personnage et ce que je suis. Et j'ai cette conscience-là. Et je reviens à moi, et je vois la prof au-dessus de moi, c'était Martine, que Yvette connaît, et je la vois sourire, ce qui était assez rare chez Martine. Et je me dis, bon, ben, ça n'a pas dû durer longtemps, parce que si ça avait duré longtemps, ben, elle m'aurait fait toc, 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 t'es morte ou quoi. Et je n'avais plus du tout cette sensation de respirer quand j'étais dans l'autre, enfin, dans, je ne sais pas où, nulle part. Je n'avais pas du tout cette sensation de respirer. J'avais juste une sensation d'être. Il n'y avait plus de personnage, il n'y avait plus de personnalité. Et là, je retrouve le personnage, la personnalité, mais avec cette empreinte-là de paix, de sérénité, d'amour inconditionnel et de joie. Et ça s'étiole, hein, petit à petit. Ça s'étiole.
Mais cette connaissance-là, maintenant, me permet une confiance, en fait, permanente. Ça n'empêche pas les nuages, les tornades, les tsunamis. Ça n'empêche pas les tsunamis. Mais je sais qu'il y a le soleil, en fait, toujours. C'est comme une... C'est pas une connaissance de là, c'est une connaissance de là. C'est ça, le souffle de là. Comment ? Tu sais que tu nages dans l'eau comme le poisson. C'est ça. Exactement. Alors, pour ces mémoires-là, le mental a horreur du changement. On est bien d'accord. Son boulot, c'est de nous garder dans la grotte. Il ne faut surtout pas qu'on sorte de la grotte. Il a horreur du changement. Il adore les habitudes. Or, sa nature même, c'est d'être changeant. Comment on peut faire confiance à ce qui, le matin, peut se réveiller en pleurant et 2 heures après peut être mort de rire d'une blague que tu viens de regarder sur Facebook? Comment faire confiance à ça? Donc, ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Ok, ça pleure. Ok, ça, je l'appelle ça maintenant, tu vois. L'objet est en train de recevoir une information qui le secoue. Ok, j'observe ça, je prends note. Mais il peut changer, donc méfiance. Ce n'est pas quelque chose qui va être toujours. C'est un nuage qui passe. Donc, je reste en recul et j'observe le nuage passer. Et j'observe ce nuage parce que ça peut être important de le voir. Ça peut être important de le détendre, ce nuage. Ça peut être important de le câliner pour que justement il puisse suffisamment s'évaporer pour laisser à nouveau le soleil apparaître. Ce que vous m'avez permis de faire la semaine dernière. J'ai eu besoin de ce temps pour accueillir une tornade et suffisamment la câliner pour qu'elle se laisse être réchauffée par le soleil et s'évapore en fait. Et le soleil est revenu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais des fois, ça tombe dessus pile au mauvais moment, quoi. Parce que je me suis prise les pieds dans le tapis. Parce que j'ai pris pour argent comptant quelque chose qui était juste de l'ordre, tu vois, du secouage, du chaos. On va en reparler, ça, du chaos. Tu es dans le chaos et c'est l'occasion d'accueillir justement un petit boudin dont on a déjà parlé sur les anciens stages. Un petit bout de nous, en fait. Un petit bout de chou, un petit bout de chou perdu dans l'espace-temps. C'était le cas, là. Ou alors, ça peut être l'occasion de t'obliger à une créativité. Ou de t'obliger à te jeter dans le vide. En disant, ben, je ne sais pas ce qui va se passer, on verra. Un moine zen, tu sais, il dit ça, il dit. Si tu es accroché par les dents à une branche qui est sur une falaise et t'as pas de bras, t'as pas de jambes, qu'est-ce que tu fais? Eh, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu ferais quoi, toi, Malia? Surtout, je parlais pas. Surtout, tu ne parles pas. Donc, tu restes accroché à ta branche, ok, avec les dents. Soit tu sors, soit tu lâches, en fait. Toi, tu lâches, Flo? Bah, soit tu serres, soit tu lâches, mais il y a un moment, je pense que t'en as marre de serrer, t'es obligé de lâcher. Ah, d'accord, on est d'accord. Moi aussi, je lâche parce que on sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est peut-être bien. On va peut-être être reçu sur quelque chose de confortable. Génial, c'est super cette réponse. Bah ouais, qu'est-ce que t'en sais en fait de ce qu'il y a en dessous? Ça se trouve, c'est super. Mais le mental, premier truc, falaise quand même. tu vas faire quoi. Comment, Emma? On parle d'une falaise quand même. En général, ce n'est pas un matelas douillet qui t'attend, quoi. T'en sais rien. T'en sais rien. Tu vois, ça, c'est les mémoires. Le mental a engrammé qu'au pied d'une falaise, il y a forcément des rochers épineux avec, enfin, des rochers avec des ronces d'épines, etc. Mais tant, c'est... Ouais, non, mais d'accord. Après, on dit toujours... Pardon, Yvette. Vas-y, vas-y. On dit toujours aux enfants, si quelqu'un te dit de sauter de la tour Eiffel, tu ne vas pas le faire. D'accord, mais là, tu es accroché par les dents, tu vas tenir combien de temps? Ouais, d'accord, mais bon, enfin, je veux dire, après, enfin, tu vas crever, enfin, faut quand même l'accepter, quoi.
Ouais, en effet. Et ben c'est là le sutra numéro 9. L'acceptation de mourir porte en soi sa propre régénération. C'est là que tu commences à vivre. Quand tu acceptes, ok, je peux mourir. Et quoi ? Moi, je peux aller là où on meurt. Hein. Franchement, je te jure, en fait, bon, je vais rester jusqu'au bout, hein, mais je préfère être là-bas. Et d'ailleurs, Emma, c'est marrant que tu dis, parce que moi, toute mon enfance, j'ai rêvé que je sautais du haut de la tour Eiffel et que j'atterrissais comme une fleur, en fait. Comment ? J'atterrissais comme une fleur. J'atterrissais comme une fleur. Et un jour, j'ai sauté à l'élastique et j'ai plus jamais rêvé cette sensation parce que je l'ai vécue et je l'ai plus jamais rêvé. Et c'était marrant parce que je faisais vraiment très souvent ce rêve. Je sautais de très haut et une fois de la tour Eiffel, justement, et j'atterrissais comme une fleur. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'impression de mourir quand on saute à l'élastique, j'imagine. Le mental, lui, pour lui, il meurt. Ouais, moi j'aime assez cette sensation de me jeter dans le vide, j'aime ça, donc c'est particulier. Mais parce qu'aussi on sait qu'on craint rien, voilà. Mais peut-être qu'on craint rien en réalité, c'est ce que dit le sutra. Ouais. Oui, parce que la seule crainte en fait, enfin, la seule chose qui puisse t'arriver, c'est de mourir. Et finalement mourir, c'est juste ton corps qui meurt dans cette dimension. Je dis pas qu'il faut se suicider, d'accord? Parce que le suicide, c'est pas laisser faire la vie, hein. Et c'est encore contrôlé, comme disait Yvette, c'est encore une question de contrôle mental. Donc, je suis pas en train de dire ça, mais mourir, c'est pas si grave. C'est pas... Donc, on peut quand même se tenir dans la branche avec les dents pendant un moment, quand même. Ça peut être aussi. Forcément, la peur est trop grande, mais oui, tu te vas tenir avec tes dents jusqu'à ce que. On puisse plus, évidemment. Mais c'est ce qu'on fait souvent dans la vie, hein, d'ailleurs. Hein. On attend le chaos total avant de lâcher prise. Mm-mm. Et on pourrait éviter en se disant, attends, je ne vais pas me reprendre les pieds dans le tapis, j'attends pas le chaos, je lâche. Je lâche prise. Mais non, on attend le chaos, mais il est salutaire. Sauf qu'on va jusque-là. C'est tout le temps. Mais est-ce qu'on pourrait, tu vois Flo, est-ce qu'on peut être en pilotage automatique en permanence? J'adore te jeter dans le vide, mais est-ce que tu pourrais être en pilotage automatique tout le temps? Déjà, okay. C'est difficile parce qu'on a appris à faire différemment, parce qu'on nous a expliqué que le reste, ça ne valait pas. Donc... Moi, je sais que j'ai vu une psy pendant un moment et elle m'avait dit un truc. Elle m'avait dit, chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, je suis allée à la catastrophe. À chaque fois que j'ai eu une intuition et que je l'ai mise de côté et que j'ai dit mais non, mais, et que la raison a pris le dessus, je me suis vautrée, mais comme il faut. Donc maintenant, j'écoute direct. Et effectivement, je pense que c'est aussi une chose à réapprendre puisqu'on on l'a oublié, mais on peut aussi le réapprendre parce qu'on se rend compte que ça marche et on peut de nouveau faire confiance à ça alors que tout nous dit autour de nous de ne pas y faire confiance. Tout à fait. Pour laisser éclore la joie, il n'y a pas, quoi. Le pilotage automatique, c'est pas possible. Mais c'est notre zone de confort, soi-disant. Mais aussi, je me suis posé une question ce matin, est-ce qu'on peut être toujours totalement conscient? Non, je pense que comme tu dis, parfois on a des grands moments de conscience et on les ressent physiquement et on se dit « j'oublierai jamais ça ». Et avec la vie, ça se dilue, en effet. Je comprends ce que tu dis. Quand tu dis que plus tu le dis, plus ça se dilue. Moi, j'ai eu des espèces de trucs comme ça, justement dans des moments très extrêmes, par exemple de douleur atroce, parce que j'avais une sciatique de dingue et à m'assommer tellement j'avais mal. Et là, je suis allée vraiment au fond et j'ai senti des choses, j'ai découvert des choses incroyables. Et je me suis dit, ça y est, c'est en moi, je l'oublierai jamais. Et ça se dilue. Et ça se dilue. C'est ça. Parce que je pense que... notre mental exploserait en fait parce qu'il y a trop de processus inconscients. Et je pense que c'est pour ça le sutra qui nous explique que le mental fait l'erreur. Je crois qu'il imploserait en fait. Si on était pleinement conscient de tout le réel et de toutes les parts inconscientes. Enfin, ouais, on dirait imploser, c'est-à-dire que ça, il peut pas, quoi.
Donc, être pleinement conscient en permanence, tant qu'on est inscrit dans le champ d'expérience, je ne sais pas si c'est bien possible, en fait. Je ne sais pas. Dans cet espace dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement, de tout amour, je l'appelle comme ça, du tout amour. En effet, j'avais pleinement conscience du tout et j'étais absolument pas séparée de quoi que ce soit, mais j'avais pas du tout conscience de mon identité non plus. Je sentais une incarnation par les pieds, je sentais bien que j'étais pas complètement dans le jeu de l'autre côté. Mais en même temps, j'étais pas quelqu'un non plus. Tu vois, et je me suis posé cette question-là vraiment profondément ce matin dans ma méditation, de me dire, tant qu'il y a un quelqu'un, tant qu'il y a un personnage, c'est quand même, est-ce que c'est possible d'être pleinement, pleinement, pleinement conscient de tout le réel ? Tu vois, je m'en plains souvent. Oui, je voudrais être plus consciente de plus de choses. Je vois tellement peu. Je veux être complètement clairaudiente, clairvoyante, clairsentante. Que tous mes sens internes et externes soient complets. Et je ne crois pas que ce soit possible. Mais je crois que tu as la réponse même dans ton expérience, parce que tu dis que tout d'un coup, tu es retournée dans un corps tout petit. Et en fait, je pense que dans ce corps tout petit, dans l'incarnation, il n'y a pas la place, en fait. Parce que tu vois, tu l'as vécu même. Tu te dis, je suis retournée dans un corps tout petit. Et voilà. Et je pense que c'est ça le jeu. C'est ça le jeu, c'est de goûter la dualité. Et c'est vraiment ce travail d'être dans l'humain. Dans le corps. Et tout à l'heure, tu l'as dit, Flo, et on l'a dit dès le premier stage, ça passe par le corps. La sensation du corps. C'est le corps. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui ne ment pas. Il n'y a que le corps qui ne ment pas. Le docteur Chandrachekaran dit toujours, le corps est plus intelligent que tout. Même quand il semble être malade, il est très intelligent, il parle. Là, il n'y a jamais d'erreur. C'est par le corps que ça passe. Et du coup, c'est l'expérience, c'est le jeu de la dualité, c'est le jeu de l'illusion. C'est l'expérience de l'incarnation aussi. Il y a un bouquin absolument incroyable. Moi, j'avais un peu décroché de ce qu'elle écrit. C'est Amélie Nothomb qui a écrit Soif cette année. Ah oui. Il est extraordinaire parce que justement, c'est le Christ. Elle parle à la première personne. Et c'est le Christ qui dit en gros à son père que ouais, il sait tout, mais qu'en fait, il y a un truc où il n'a rien compris, c'est qu'il n'a pas fait l'expérience de l'incarnation. Et que du coup, quelque part, il a tout faux parce qu'il ne s'est pas incarné. Et que lui qui s'est incarné, il sait des choses qu'il ne saura jamais. Et ce bouquin, il a choqué beaucoup de gens, mais moi, je l'ai trouvé génial, justement. Parce qu'en soi, l'expérience de l'incarnation, elle est immense. Elle a ses limites, mais elle apporte un truc aussi que le reste ne peut pas apporter. Tout à fait. Et je pense que s'il doit y avoir des anges et tout, ils doivent être hyper fiers de nous. Et ils doivent se dire, non, mais c'est dingue, quel courage d'être venu s'incarner. Pour justement faire l'expérience de la dualité, pour reconnaître le 1. C'est quand tu vois le 2 que tu vois le 1. L'idée, c'est de ne pas prendre le 2 pour le 1. C'est d'expérimenter le 2 pour du coup voir le 1 en miroir. Et le 1 ne peut se reconnaître que dans le 2. Voyez l'idée ? Oui, je ne vois pas beaucoup de têtes qui font ça. Mais... faut que ça monte le cerveau, que ça fasse les connexions. On est humain. Hein. Oui, ben, du coup, comme on a l'enregistrement, vous pourrez revoir aussi ces échanges. Il y a 15 jours, pardon, on parlait du pouvoir de l'instant présent avec Eckhart Tolle. Et cette joie inséparable de la liberté. Sommes-nous libres lorsqu'on reste accroché à la branche avec les dents ? Oui, on est libre de lâcher. On est libre de lâcher. C'est ça. Et dans ce vol-là, bah, soit on atterrit comme une fleur, soit on se stretch. Ok, bon. En tout cas, on a le choix. On a, voilà,
il sera passé quelque chose. Et finalement, je me dis, ben, cette créativité, en fait, elle ne peut pas se détacher. Cette créativité, donc dans l'instant, c'est ce qui se crée là dans l'instant, elle ne peut pas se détacher totalement de la peur. Pas moyen. Et j'adore ce livre-là d'Elisabeth Gilbert. Je dis Gilbert, moi, mais ça se trouve, c'est Gilbert. Comme par magie. Donc, magie, vous savez qu'en langue des oiseaux, j'aime bien dire l'âme agit. Et elle dit ça, elle donne cette image que quand une inspiration lui vient, elle dit à la peur, alors, je te préviens, on va prendre la bagnole, moi et ma joie, pour créer. Donc, ben, je t'emmène avec nous, puisque de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, viens la peur, je t'emmène. Mais tu vas derrière. Tu ne touches pas à la fenêtre. Hein. Tu ne touches pas à la radio. Tu ne touches pas au volant. Tu ne touches pas aux pédales. Tu ne touches à rien. Ce n'est pas dur. Je suis obligée de t'emmener avec nous. Mais tu ne touches à rien. Bon, je ne pourrais pas t'empêcher de causer. Tu vas être là, nanana, fais pas ci, fais pas ça, patata, et puis tu ne sais pas. Et puis Donc, ok. Mais tu ne touches à rien. C'est tout ce que je te demande. Je vais t'entendre causer parce que je ne peux pas faire autrement. Mais tu ne touches à rien. Et j'adore cette image. Ce n'est pas possible de faire sans la peur. Tu l'emmènes avec toi. Mais tu y vas. Mais tu y vas. Tu prends la route et puis tu y vas. Et donc, voilà. Et elle nous dit une phrase que j'adore aussi. La perfection, c'est la peur en talon aiguille. Mais oui, parce que comment dans le lâcher prise, t'es sûr que c'est parfait? Tu sais pas ce qui va arriver. Comme dit Yvette, y aura peut-être un coussin tout moelleux pour te recevoir. Tu vas peut-être atterrir comme une fleur. Tu vas peut-être te scratcher comme une grosse tomate trop cuite. Donc, comment savoir si ça va être parfait? Je vais lâcher prise parfaitement bien, quoi, tu vois. C'est jamais parfait. Ça ne peut pas l'être. Donc, du coup, Et là, il y a un sutra. C'est dans le deuxième chapitre, le premier sutra, qui nous parle de l'action juste alignée. Et il nous dit, bon, d'abord, essaye d'être assez propre. Viens pas trop entacher ton mental de trucs qui l'excitent. Du style... Je sais pas, moi, si je bois trop de vin blanc, par exemple, je vois bien que là-haut, il a du mal à gérer, tu vois, il a du mal à être calme, concentré, de faire une bonne interface avec ce que je suis, tu vois, ses perceptions sont altérées. Vous voyez l'histoire? Quand je fais moins de sport, c'est pareil, lui, il a du mal à s'aérer. Quand je m'entoure de gens extrêmement stressants, c'est pareil, là-haut, il va pas bien, vous voyez? La 16, c'est ça. C'est permettre à machin là de faire d'être bien discipliné en fait. C'est-à-dire d'être une bonne interface à ce que je suis. Si je lui envoie trop de cigarettes, par exemple, il va faire « Oh là, attends, mal au crâne, quoi, tu vois ?» Si je mange trop de viande rouge, je le sais aussi pour ce qui me concerne. Je ne peux pas ne pas manger de viande parce que mon système a du mal à digérer encore. Mais quand j'en mange trop, ça me tire là-haut, tu vois. Ça a du mal. Pareil, si je bois trop de laitage, ça va tout encraser. Donc, la 16, c'est ça. C'est voir quelle est ma bonne alimentation pour moi. Quel est mon entourage? Est-ce que je gère bien mon stress? Est-ce que mon entourage? Est-ce que je fais bien du sport? Ils appellent ça l'épigénétique. Qu'est-ce qui réveille mes gènes ou les laisse endormis? Et puis, la deuxième partie de ce sutra nous dit, fais une étude de toi. Prends le temps de voir, prends le temps voilà, de laisser les petits boudins revenir à toi, tu les berces. Prends le temps de sentir tes émotions, de les accueillir. Prends le temps de te connaître, en fait. Prends ce temps-là de voir tes pensées passer. Et de les changer, tu changes de Grégoire à tes genres de pensée, là ça ne va plus, j'en veux plus.
hop, je ne me laisse pas tenir par le bout du nez, par mes pensées. Et la troisième partie, ce sutra de l'action juste, c'est laisse le fruit de tes actions à plus vaste que toi. C'est-à-dire, lâche le bâton là, qui est accroché à la falaise et tu verras bien ce qui va se passer. Et du coup, les actions que tu poses, en fait, ce n'est pas des actions qui viennent de là. C'est des actions qui viennent de plus vaste. Alors, des fois, ça te dépasse. Ok, ta tête, elle va dire, tu as vraiment l'air d'un con. Ok, je vous donne un exemple parce que ça marche mieux avec les exemples. Il y a une de mes élèves, elle me demande un cours par visio. Et elle est dans le noir, je te jure, je ne vois rien en fait. Donc là, je suis vraiment dans le cacaboudin, jusque-là, je ne vois rien. Mais ce n'est pas grave, il y a une pratique qui s'écrit. Soit je me mets à douter que c'est la bonne pratique, ce que m'envoie ma tête hein, d'ailleurs, à tous les coups, hein, ça ne loupe jamais. Elle me dit, attends, mais n'importe quoi, si jamais ce n'est pas ça, tu vas lui faire faire des conneries, regarde bien, tu ne vois rien, tu n'as pas la preuve. On parlait tout à l'heure, Florence. Tu n'as pas la preuve, tu ne vois rien, elle est dans le noir. Oui, mais il y a une pratique qui s'écrit. Et à ce moment-là, je vois un mouvement qui me dit, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a des problèmes cardiaques. Alors, je pose la question, parce que ma tête a besoin de preuves. Je lui dis, tu as des problèmes cardiaques? Elle me dit, ah oui, j'ai le cœur qui bat beaucoup trop vite. Et ben voilà, j'ai ma preuve. Ma preuve que quand je laisse faire mon intuition, c'est juste, qu'est-ce que je vais aller douter de ça? Ça s'écrit, ça se dessine devant moi. J'ai juste à faire la feignasse. Pourquoi il faudrait que je sue tout partout pour pouvoir mériter mon travail? Non, c'est un boulot de feignasse. J'ai juste à lire la pratique qui se dessine devant moi. C'est intuitif, c'est comme ça. C'est simple, on y a accès tous à cet endroit d'information. Mon mental, ce n'est pas du tout ce qu'il m'envoie comme message. Hein. Lui, il m'envoie, tu vas avoir l'air d'une conne à raconter des conneries. Vous voyez ? Ben, si je n'essaye pas juste moi de lâcher là, en disant, je ne sais pas où je vais, peut-être raconter des conneries, ce n'est pas grave quoi. Mais tant pis, j'y vais quand même. Qu'est-ce que j'ai noté ? Abandonner le fruit de ses œuvres à plus vaste. Et du coup, c'est l'action juste. Alors, j'ai noté, pour le mental, c'est avoir le goût du risque. Pour la conscience, c'est avoir confiance. Pour le mental, c'est avoir le goût du risque et pour la conscience, c'est avoir confiance. Il est donc utile de prendre conscience de nos routines circulaires. Si je mets en place une routine, en fait, je donne la même pratique à tout le monde. Si je laisse faire l'intuition, donc il va se créer quelque chose dans un instant dont je ne suis pas maître. Ma tête, en tout cas, ne l'est pas. Il va se créer quelque chose. Je deviens alors ce qu'on appelle une artiste. On est tous des artistes. Par exemple, celui qui fait son pain, bien sûr qu'il va faire avec une routine. Il va faire le pain toujours à peu près de la même façon. Mais peut-être qu'il va avoir un petit tour de main ce matin qui va être comme ça ce matin. Juste, tu vois ? C'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais chez vous, votre boulanger, le pain, il n'a pas tous les jours le même goût. Et pourtant, c'est le même. Mais chaque jour, il y a un petit truc différent. C'est vrai ou pas ? Oui, oui. Moi, j'aime bien aussi parler de la spontanéité et de la peur. La spontanéité, Florence en parlait tout à l'heure, c'est une réponse immédiate. Et ce que j'appellerais la liberté, c'est le corps libéré de ses tensions. Le mental silencieux, si c'est possible hein, d'avoir un corps libéré de ses tensions et d'avoir un mental silencieux, d'avoir un souffle fluide. Et là peut se présenter une absence de peur. C'est ce que moi j'appelle la liberté. Et du coup, ben, c'est bas les masques. Ça demande de l'honnêteté. Il y a un sutra qui nous dit « Tous les joyaux se présentent à celui qui est fermement inscrit dans l'honnêteté. » Pas évident. Donc là encore, faire confiance aux sensations dans le corps. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit libéré de ses tensions.
au ressenti. Là seule peut surgir la créativité. Ça me fait tellement penser à Franck Lobvet quand il dit « Quand j'entre dans ton énergie, je ressens ça. » Et ça se traduit en mots. Son mental doit lui envoyer « Tu vas vraiment avoir l'air d'un con dans une seconde. » Parce qu'elle est où la preuve que c'est vrai ce qu'il raconte ? Il entre dans l'énergie d'une personne, il la ressent et il dit ce qu'il ressent. Et qu'à force de jouer à ça, eh ben, il y a des milliers de personnes qui lui demandent « Et pour moi, tu ressens quoi, s'il te plaît ?» Parce qu'en fait, il est dans l'inconscient de la personne. Ouais. C'est juste génial. Je vous invite vraiment à aller écouter Franck Lobvet. Franck Lobvet. Lobvet, d'accord. Moi, ce que je me demandais, c'est si, enfin, si l'intuition, c'est une inspiration. Est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient de plus vaste ? Mais nous, c'est le plus vaste. Ouais. Là où encore, je pense qu'il y a une identification à un personnage, on se croit, tu sais, être moi, Céline, avec mon corps, machin, tout ça. Mais en fait, ce que je suis, c'est l'arbre, c'est la galaxie, c'est le multivers, c'est moi, ça. Donc, c'est juste un accès qui est là ou qui n'est pas là, en fait. Je pense. Parce que, encore une fois, quand j'étais dans ce lieu de nulle part, là, eh ben, j'étais tout et tout était moi. Je ne pouvais pas séparer quoi que ce soit. Et en même temps, parce que j'étais incarnée par les pieds, le chat est venu à moi. Donc déjà, tu vois, il y a une redensification qui s'est créée. J'ai déjà senti la contraction quand le chat est venu. J'ai senti une contraction en moi et le chat lui aussi s'est contracté quelque part pour qu'on puisse se reconnaître comme différent de façon à ce qu'il puisse inscrire dans quelque chose en moi. La mort n'existe pas. Et là, contraction complète, au retour dans le petit. Et donc, je pense qu'en effet, cette intuition, eh bien, elle est dans un espace de vastitude infinie. Enfin, c'est ce que je ressens. Et donc, elle est accessible à tous. C'est aussi ça qui est génial dans le livre d'Elisabeth Gilbert, c'est qu'elle dit quand tu as une intuition, il faut courir après et l'attraper. Quand elle était petite, elle attrapait un poème par la queue. Et vite, elle courait dans sa maison chercher un stylo et un papier et elle tirait le poème par la queue, ce qui fait qu'elle l'avait par le dernier mot jusqu'au premier mot. Elle avait le poème à l'envers. Et après, elle pouvait le lire à l'endroit. Donc, d'où il vient ce poème ? D'elle ou de quelque part ? Et elle dit aussi, quand une idée te vient et puis que tu t'en occupes pas vraiment, que tu travailles pas d'arrache-pied pour elle, elle va aller dans une autre tête, elle s'en fout, pour trouver une tête qui va la matérialiser. D'où elle vient cette idée? Elle va même parfois se mettre dans plusieurs têtes, à certains endroits de la planète, absolument en même temps, pour être certaine de pouvoir être concrétisée, réalisée. Et c'est souvent qu'on voit plusieurs livres, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même histoire. Et les gars, ils ne sont pas communiqués entre eux, quoi. Où ils sont allés chercher cette idée? Où est-ce que c'est l'idée qui est venue dans la tête? Souvent, on dit des inventions qui ont été faites en même temps à plusieurs endroits dans le monde, ou même qu'on se bataille pour savoir qui a eu la primeur de l'idée et de l'invention. C'est curieux, ça aussi, donc... Ça, c'est vraiment curieux aussi, ça. Est-ce que quand même on peut reparler du chaos ? Parce que du coup, je voudrais vous lire un passage de ce truc. Donc, moi, je trouve que les périodes de chaos sont merveilleusement créatives. Encore une fois, je ne dis pas qu'elles sont nécessaires, mais qu'elles peuvent être utiles. C'est sûr. Ouais. J'ai noté, elles sont la fin d'un univers faussement ordonné
et l'émergence de nouvelles forces. En sanskrit, ces nouvelles forces, c'est virya. Virya. Hier, il y a une de mes amies qui me dit, lorsque mon mari m'a jetée comme une merde, il l'a jetée comme une merde, la peau. Mais alors vraiment, hein, comme ils n'étaient pas mariés, il l'a laissée avec son slip. Et son ego était touché à ce garçon. Et du coup, vraiment, il lui a fait l'enfer sur terre. En plus de la laisser en slip, il lui a fait l'enfer. Et là, elle me disait hier, j'ai vu en moi une force incroyable pour créer mon cabinet. Et elle a créé un cabinet vraiment dans un immeuble en ruine. Elle en a fait un lieu de toute beauté, avec rien. Elle n'avait rien et elle a créé, mais c'est sublime, avec des bouts de ficelle, avec des moins que rien, avec un bout de peinture, avec de l'aide. Elle a demandé de l'aide. Quand on a de l'estime pour soi, on demande de l'aide. Eh, vas-y, chacun était content comme tout de lui proposer un peu d'aide, tu vois, un petit coup de bras. Tiens, vas-y, j'ai un pinceau à la maison, mais moi, j'ai une planche de bois. Et c'est sublime, son cabinet. Et elle dit, je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Et cette créativité. D'un coup, elle savait, elle sentait, tiens, et si je mettais ça là, et ça tombe bien, tchac, tchac, tchac. Et ça s'est fait vite en plus. Dans un chaos, généralement, tout émerge comme ça. J'ai écrit, c'est comme une désintoxication, un vide reposant le chaos. Notre corps est comme paralysé dans l'habitude. Alors que l'incertain stimule notre esprit. Les possibilités sont infinies quand on est dans le chaos. Et ce ne sont pas les situations qui sont chaotiques, mais notre réactivité à ces situations. C'est là où j'ai envie de vous parler de la pomme ou la paix. En fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que, je vous le fais en version courte, on déménageait donc la maison de mes parents, ce qui est déjà un moment pas facile, comme vous pouvez imaginer. Mais en plus, je m'aperçois que mon frère roule dans la voiture de mes parents. Plutôt que d'avoir vendu la voiture de mes parents, en fait, il a vendu la sienne et roule dans celle de mes parents. Donc, quand je lui pose la question « Pourquoi tu fais ça ?», il me répond « Parce qu'elle est quand même beaucoup mieux, cette voiture-là. » Oui, mais c'est aussi la mienne. Et celle de notre grand frère. Il s'en fout. Je vois qu'il a vendu un très gros four de céramique qu'il a vendu 4000 euros et qu'il se met royalement les 4000 euros dans la fouille. Idem pour un autre four qu'il a vendu 900 euros. Et je vous passe les détails de tous les meubles qu'il a vendus et il a tout mis l'argent dans sa fouille. Et là, je mets des affaires de côté puisqu'il me dit, écoute, c'est bon, tout ce qui reste là, prends ce que tu veux. Ok, je mets des affaires de côté pour revenir le lendemain pour récupérer les affaires. Et quand je reviens, je m'aperçois qu'il a volé des objets. Je dirais volé parce que l'enfant en moi a besoin que je dise volé. Et donc remonte ce petit bout d'un, là, ce petit bout de un, mais qui est jalouse de son frère et qui ne veut pas lâcher le morceau et qui ne lâche pas et qui dit « c'est injuste, ça ne se passera pas comme ça, bon, pas contente. » Et c'était devenu insupportable de déception, insupportable de… Voilà. Bref. Et là, je me souviens de ce témoignage de Nathalie. Si vous voulez bien, je vous lis. La pomme ou la paix. À l'âge de 25 ans, j'ai vécu, durant 4 ans dans un ashram en Inde, auprès d'un maître spirituel. J'adorais ce que je vivais et pas une seule fois je n'ai ressenti l'envie d'être ailleurs pendant toute cette période. Un jour,
alors que cela faisait environ 3 ans que j'y suis, fatiguée par une longue journée de travail dans les champs, au soleil, je monte sur le sommet d'une petite colline et m'assieds pour admirer la vue à 360 degrés. Magnifique. Je suis bien, en paix. Soudain, surgit de nulle part une furieuse envie de pommes Granny Smith me saisit. Les pommes vertes, bien juteuses. Vous les connaissez, ces pommes-là ? Oui. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Il faut savoir qu'on ne trouve pas ce type de pommes en Inde, où elles sont plutôt fades et farineuses. Je sais très bien que je n'en trouverai pas, mais peu importe, l'envie prend toute la place. Impérieuse, je suis comme une petite fille qui tape du pied. J'en veux une et maintenant. Je suis moi-même surprise par la soudaineté et l'intensité de ce désir. J'entends alors une voix intérieure qui me dit « Si tu la veux vraiment, cette pomme, tu l'auras. Mais peut-être te faudra-t-il quitter l'Inde pour cela. » Grand silence. Je mesure l'implication de mon désir. Je n'ai aucunement envie de quitter cet endroit, ni ce pays. La voix reprend. Tu as le choix. Soit tu peux demander la pomme, soit tu peux demander que ce désir te soit enlevé. À toi de voir. Je vois ce choix si simple. Je le comprends mentalement et pourtant, je ressens une lutte intérieure incroyable. Je veux intensément la pomme. Même si j'ai bien compris que je pouvais avoir la paix, je veux la pomme aussi. Je vois cette lutte et pourtant je n'arrive pas à lâcher prise. Finalement, après une grande délibération intérieure, je lâche et demande à être libérée de ce désir. En une fraction de seconde, tout s'est arrêté. Plus de désir, plus de pommes. Juste la paix qui est revenue. Cette expérience reste un cadeau inestimable qui m'a servi dans bien des situations futures dans lesquelles ce choix de la paix rivalisait avec des désirs ô combien plus importants qu'une pomme verte. Et cependant, tellement moins que la paix. Et la semaine dernière, c'est ça que j'ai vécu. C'était une discussion, mais elle parle de discussion intérieure extrêmement intense. Et ce choix, la pomme ou la paix. Et j'ai adoré, adoré ce mot renoncement. J'ai adoré ce mot. Renoncement. Elle a eu la pomme ou pas après? Comment? Elle a eu la pomme ou pas après? Ah, elle ne dit pas, parce qu'en effet, peut-être qu'elle a eu quand même la pomme après, finalement. C'est marrant, toute ton histoire, moi je pensais que ça allait l'amener à avoir justement une intuition, un appel à quitter et à vivre autre chose en fait. Je pensais que ça allait complètement finir différemment. Et finalement, non. C'était justement pour écouter une intuition, en fait, que c'était un prétexte à oser partir sur autre chose et quitter, quoi. Et là, en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est oser lâcher prise sur des désirs. Ouais. L'aventure, elle était là pour elle. Elle était juste là. C'est lâche sur ton désir. Mais c'est ce que nous disaient les sutras quand je vous ai lu tout à l'heure les causes de souffrance. Oui. L'éternel dans l'éphémère, le pur dans l'impur, le plaisir dans la souffrance, l'absolu dans le relatif. La méconnaissance.
lâche la pomme. Ouais, mais ça nous porte aussi quand même les désirs pour. Ouais. Je pour avancer quoi. Enfin. C'est ça. C'est jusqu'où? C'est jusqu'où? Et est-ce que ça te laisse dans la joie parce que c'est un désir de création toujours pareil? Est-ce que c'est un désir intuitif? Tu vois, il y a une intuition qui vient et tu es dans la créativité. Ou c'est une vieille part de toi, par exemple, là pour moi, la semaine dernière, quelque chose de parfaitement immature, hein, qui était dans un désir, qui, si je poursuivais ce désir, m'amenait à une confrontation qui était vraiment, mais vraiment stérile et pleine de souffrance. Oui, en fait, tu reconnais la différence si c'est un désir intuitif ou un désir capricieux, si ça te génère en toi de la souffrance, en fait. C'est ça, exactement, Emma. C'est où c'est de la joie, et ok, vas-y, mets toute ton énergie là-dedans. Mais si tu sens de la souffrance et que tu n'es plus en paix, tu n'es plus sereine, tu n'es plus joyeuse, tu n'es plus amoureuse, l'invitation est toujours de lâcher prise. Lâche ça. Et on va généralement jusqu'au chaos pour lâcher. C'est quand est-ce que j'aurai trop mal aux dents, quoi, pour lâcher le bâton qui est accroché à la falaise. Et puis dans l'idée de désir, je pense qu'il y a une idée de délai aussi, parce qu'elle, elle voulait sa pomme tout de suite. Parce que aussi, elle peut se dire, bah, plus tard, dans quelques années, quand je rentrerai, là, je pourrai goûter cette pomme. Moi, je connais ça parce que quand je jeûne, au début, quand tu jeûnes, des fois, d'un coup, tu n'as jamais faim, mais tu as hyper envie d'un truc parce que bah, tu en es privé, tu ne peux pas manger parce qu'il faut manger graduellement. Et au début, c'était vraiment une souffrance. Et maintenant, j'ai appris à me dire, oui, mais quand je pourrai le manger ça, ça sera génial. Et du coup, le désir s'arrête tout de suite. Il y a quand même une question de délai. Alors, dans ce dont tu parles pour ta famille, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Mais tu vois, il y a pas mal de désirs. En fait, il suffit de se dire, bah oui, je le satisferai, mais plus tard. Mmh. Comme elle avec sa pomme. Et c'est une négociation avec le mental, parce que quelque part, c'est ou pas. Mais c'est de la confiance aussi, en se disant oui ou pas, et puis en se disant, ben, en fait, je peux attendre parce que je sais que ça arrivera plus tard. Mmh. Voilà. C'est comme être amoureux aussi. Des fois, tu lâches cette idée en te disant, ben, c'est pas grave, et puis ben, ça arrivera ou pas, et plus tard. Et puis, c'est une question de confiance, c'est en général là que ça arrive. Et c'est marrant parce que, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de part immature, et c'est vraiment discuter avec une part immature de nous. Parce qu'à un enfant, on fait ça, on lui dit oui, 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 tu l'auras plus tard, tu l'auras après. Et hop, comme tu dis, la paix revient. Ah bon, bah alors si je l'ai plus tard, ça va, mais le plus tard, il existe. Il n'y a que l'instant qui existe. Donc c'est vraiment. Mettre dans une illusion. Oui, donc, c'est encore... oui, puis c'est encore lâché. C'est encore lâché la branche. De dire plus tard ou pas. Ou pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Le contrôle, c'est la peur d'être pleinement vivant. Être spontané, c'est être inconscient. C'est donc ce que nous pourrions appeler la conscience. Parce que ça vient forcément de l'inconscient. Toute notre créativité est complètement inconsciente, dans le sens où elle vient de l'inconscient. Et c'est peut-être ça, être conscient, finalement. Enfin, c'est une question que je me pose. Du coup, j'en viens au sutra du chapitre 2, le numéro 42, qui est celui qui m'a le plus fait vibrer, en fait, de tous les sutras, lorsque le professeur l'a dit, et c'est celui qui m'a vraiment là-haut. Il parle de Samtosha, le contentement, la contemplation. Par le contentement vient le bonheur suprême. Par la contemplation vient le bonheur suprême. Cette contemplation, elle peut être ni dans le passé, ni avec un souvenir du passé, ni en projection sur un futur. Elle est dans l'instant. Donc, c'est pour ça qu'en effet, c'est berner le mental que de lui dire plus tard. C'est parler encore à une part immature de nous. Parce que de toute façon, le bonheur, il est dans une contemplation de ce qui est, sans jugement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ça devrait être autrement.
il n'y a pas de c'est beau, c'est moche, il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus aucune condition. Il y a ce qui est dans un oui profond, dans une acceptation profonde, complète, dans un souffle fluide, dans un corps détendu. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ai-je l'impression de goûter les petites choses de la vie ? Ou suis-je dans l'attente d'événements importants auxquels j'attribue le pouvoir de changer ma vie et de m'apporter le bonheur ? Puis-je dire que la vie m'offre beaucoup ? Même dans le chaos, hein, même dans le chaos, évidemment. J'ai plein de questions d'ailleurs comme ça. Vous voulez que je vous les pose juste comme ça pour goûter, d'accord ? Lorsque je suis mon instinct, mon intuition, la réponse est-elle plus rapide que lorsque je suis mon mental ? Oui, je crois. Moi aussi, je trouve, je suis d'accord, Yvette. Vous trouvez toutes ? C'est vraiment plus rapide. Hein. Et je trouve même que lorsque l'on entre dans notre juste autorité, eh ben, par exemple, s'il y a un non qui vient de là, un non qui vient du cœur. Quand on entre dans notre juste autorité, le non s'exprime avec une telle, tu vois, comme, j'ai envie de dire, comme Jupiter, tu vois, quand en face il est entendu. Et là, tu es dans le lâcher prise parce que tu ne sais pas du tout si en face ce sera accepté, pas accepté, bien vu, pas bien vu, gna gna gna, est-ce que je vais me le mettre à dos ou me la mettre à dos. Mais quelque part, c'est tellement spontané, c'est tellement intuitif que. Et c'est vraiment entendu. Hein. Le nombre de fois où des personnes qui rentrent dans leur juste autorité savent dire non à un manipulateur qu'elles subissent ou qu'ils subissent depuis, ou une manipulatrice, c'est pareil, depuis des années. Et d'un coup, et l'autre en face, il dit, oh, je suis désolée. Et d'un coup, il entend la puissance de quelque chose de vaste. Qui est plus posé sur de la peur, qui est posé sur de la confiance. Lorsque je suis spontanée, est-ce que je le regrette ? Moi, ça m'est arrivé de le regretter parce que des fois, j'ai dit des trucs et ça ne plaisait pas et du coup, après, je me suis pris un coup de bâton sur la tronche. Mais bon, voilà. Mais ça fait apparaître aussi quelque chose qui était, comment dirais-je ? Peut-être pas très important. Quelqu'un qui n'était peut-être pas très important. Et pas aligné avec ta vie, peut-être. Bah ouais, mais je ne me rendais pas compte, en fait. Bon, bref, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de dans un chaos, tu vois, y a comme une purification, quoi. Ça nettoie un peu. Ouais, je pense que ça réaligne tout, la spontanéité. C'est vrai que des fois, ça dérange. Alors, du coup, il peut y avoir des dommages collatéraux. Je suis bien d'accord avec toi, Virge. Voilà. Et ça m'est arrivé aussi. C'est pour ça que je me marre. Mais il y a un conte d'Andersen qui est génial pour ça. C'est les habits du roi. C'est le roi est nu, en fait. Si, je ne sais pas, je ne vais pas le raconter là, mais... En fait, en gros, c'est des gens qui font croire au roi qui veut une étoffe merveilleuse, qu'ils ont une étoffe tellement merveilleuse que seuls les imbéciles ne la voient pas. Alors, tout le monde prétend la voir, y compris le roi. Et donc, à la fin, il finit son défilé. En fait, il est en slip et tout le monde est là à s'extasier sur les merveilleux habits du roi parce qu'on ne peut pas admettre de ne pas voir ses habits puisque ce tissu n'est pas vu par les imbéciles. Donc, comme personne ne veut reconnaître qu'il est un imbécile, tout le monde prétend voir les habits. Et puis, tout d'un coup, il y a un gosse qui dit « Mais il est tout nu !» Et là, bloum, les gens réalisent qu'en effet, il est tout nu. Mais il a fallu, voilà, l'innocence d'un gamin qui a mis les pieds dans le plat et donc... la spontanéité pour remettre, pour tout réaligner et en fait, voilà, se rendre compte que c'était une escroquerie. Ah, on parlait d'honnêteté tout à l'heure. Hein. Mmh. Honnêteté et humour, toujours pareil. Hein. Merci, merci Flo pour ce partage magnifique. Qui se trompe le plus souvent, le mental ou le corps ? Bah, le mental, évidemment. Bah ouais. Le corps ne ment jamais. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est ce que je pense. Lorsque je commets une erreur, quelle est la durée de ma réflexion, des commentaires, du discours intérieur ? Ce
qui serait considéré comme une erreur par le mental. Hein. Ça peut être très rapide, comme ça peut être, venir longtemps après. Alors, si je peux me permettre, moi je trouve que quand c'est le mental qui te dit que tu as fait une erreur, ça peut traîner pendant des mois. Parce qu'il va te malaxer le cerveau en permanence et te dire tu as fait une connerie, tu t'es trompé, tu as fait une connerie, tu fais tromper. Sauf que le corps, lui, il pouvait tellement pas pu supporter que fallait que ça jaillisse, fallait que ça sorte. Et il faut juste arriver à écouter ça. Mais moi, c'est mon problème, c'est que j'écoute trop mon mental. Donc voilà. Moi, c'est mon point de vue, je sais pas. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec justement le fait de faire attention à ne pas me prendre les pieds dans le tapis, d'écouter mon mental, mais plus d'écouter mon corps. Et comme tu dis, tant que mon corps il est joyeux, heureux et qu'il dit oui, si mon corps dit oui, ok, je l'écoute lui. Et du coup, à force de le faire, eh ben, c'est beaucoup plus court ce temps. Mm-hmm. Là-haut, ça... C'est de plus en plus court, ça se raccourcit, je trouve. Ouais, mais faut-il réussir à écouter son corps, comme tu dis, quoi? Parce et que pas les yeux en tapis. C'est quand même énorme, hein? Et puis après, il y a aussi cette idée de confiance en soi. C'est, tout est mêlé, c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas aller directement vers ton mental qui va te dire « mais non ». Et là, après, tu te noies souvent dans des espèces de situation un peu inextricable, quoi. Voilà, et ça peut t'amener là où il ne faut pas que tu ailles. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de vigilance, en effet, de toujours se dire ah, attention, je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis. Moi, je trouve que ce que tu as dit, Virginie, ça m'inspire beaucoup parce que là, je me dis en t'écoutant qu'en fait, le mental, c'est les autres et l'intuition, c'est nous. Mmh. Et que quand finalement, le mental mouline et te dit tu vas te tromper, que tu ne te fais pas confiance à toi, c'est effectivement parce que tu écoutes la voix des autres et de ce qu'on t'a appris, et alors que l'intuition, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Et effectivement, il y a une question de confiance. C'est non, c'est les peurs, c'est non, tout est un non, en fait. Ben, on s'écoute nous aussi, mais les peurs, en fait, il faut les reconnaître, les peurs, et dire bon, bah ok, tu touches à rien, comme dans la voiture, tu touches à rien, tu restes derrière. Et je te mets, s'il faut, je te mets où on mène les bagages, là. Comme ça, il toucherait rien. Je le mets dans le coffre. Ouais. Et vraiment, pour la confiance, c'est ça, c'est avoir confiance. C'est quand même pas facile, hein. Enfin, tu vois, On n'en discuterait pas, là, pendant des plombes, hein, si c'était ça. Voilà. C'est quand même complexe de savoir... Quand tu es dans cette situation-là, te dire j'écoute quoi, j'écoute qui, parce qu'il y a un moment donné où tu es un peu perdu, quoi. Tu te dis je vais mourir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce qu'il faut que je fasse, et voilà. Donc c'est quand même. Ah oui, et du coup, l'invitation, elle est à nouveau lâcher prise dans l'instant, lâcher prise dans la confiance, comme tu disais. Mm. Parce que tu vois, la question que j'ai posée juste après, c'est « Est-ce que je me sens coupable ?» Mais c'est ça qui se sent coupable, finalement. Est-ce que ce que je suis, qui fait une expérience, juste ça, parce que c'est juste ça ce qu'on fait ici, quoi. Est-ce que ce que je suis, qui fait une expérience dans l'humain, se sentirait coupable ? C'est neutre. C'est une expérience. Qui se sent coupable ? Qui considère que c'est une erreur ? D'où ça part ? Toi, j'ai marqué aussi, m'arrive-t-il de simplement prendre conscience de l'erreur et de retrouver aussitôt le silence mental? Parce qu'est-ce que c'est une erreur? Ou c'est juste une occasion de pouvoir me connaître un peu plus, me goûter à nouveau, voir ce qui me donne de la joie, comme disait Emma, ou ce qui crée de la souffrance? Est-ce que c'est peut-être juste une expérience? Est-ce que je peux arrêter aussi avec ça de qualifier des situations d'erreur? Est-ce que je peux les requalifier en expérience? Je fais l'expérience de ça. Tiens, bon, j'ai fait l'expérience de me prendre les pieds dans le tapis. J'ai fait l'expérience de... Ouais, alors je peux dire un truc rigolo. Enfin, ouais. Rigolo, je sais pas, mais ça me passe par la tête, j'ai envie de vous le partager. En fait, moi, ma vie, en gros, amoureuse... voilà,
C'est des histoires qui se suivent. Et quand je vais bien, je me dis, je suis riche de plein d'expériences. Mais quand je vais pas bien, je me dis, ah, t'es vraiment une grosse nulle, t'as tout foiré, c'est pas du tout ce que t'avais prévu pour ta vie, nanana. Et c'est vraiment, enfin, je voulais partager ça parce que selon qui t'écoute, ton mental ou je sais pas quoi d'autre, tu peux voir les choses différemment. Voilà, c'était tout. C'est tellement ça. C'est d'où je regarde. C'est vraiment tellement ça. C'est d'où je regarde. Et qu'est-ce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux bien regarder à partir d'où. Parce que ça va quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu te dis t'as tout foiré, c'est parce que t'écoutes en fait ton éducation et ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire être avec quelqu'un, bâtir, machin, nanana, nanana. Et quand t'es pas là-dedans, bah, tu culpabilises en fait. Tu te dis mais moi, je suis qui? Je suis natardée ou quoi? Il y a un truc qui va pas, tu vois? Et tu rentres à nouveau dans le jugement et la comparaison, donc dans la souffrance. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais bah, les masques. Bah, les masques, parce qu'en fait, les masques, ils nous ont été donnés par d'autres. Vas-y, porte ce masque-là. Là, ça, c'est bien. Voilà. Ou par soi-même. Tiens, si je porte ce masque-là, ok, donc ça, on va dire que c'est bien. Bah, les masques, ça demande beaucoup d'honnêteté. On en reparlait tout à l'heure aussi, ouais. Mais quand Virginie disait c'est dur, c'est super dur, mais c'est vrai que enfin voilà tous les carcans, notre société en fait, la façon dont on était élevé, nos traditions, enfin c'est lourd quoi. Enfin c'est vrai qu'on est quand même sur des rails depuis l'enfance et dans ces schémas. Enfin oui, elle parlait par exemple d'une vie de famille. Classique, à tel âge tu as des enfants, à tel âge tu as ton diplôme, à tel âge tu as tel salaire parce que tu commences à bien travailler. Enfin, là c'est très cliché, mais après c'est une multitude de petites choses qui font que ouais, c'est une lutte quand même quoi. C'est pour ça t'enferme si t'es pas dedans, ça t'enferme en fait. Comment dirais-je, si t'es pas rentré dans le moule, tu as l'impression d'être une extraterrestre pour le coup, du coup. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense. Et du coup, cette image extraterrestre, soit tu l'accueilles comme quelque chose qui toi te convient et que tu le prends comme quelque chose de positif parce que tu dis c'est ma vie et finalement j'en ai tiré tant d'expériences. Soit tu te dis je suis un boulet quoi. Voilà. Oui, mais je comprends ce que tu dis dans cette dualité. Voilà, à des moments, bah, tu t'assumes pleinement, t'es épanouie et puis t'es comme t'es et puis t'as ta place et il n'y a aucune raison que voilà. Et puis il y a des moments où bah, tu vas te comparer et tu dis ah putain, bon, je suis à la traîne quoi. Enfin, et c'est ouais, je comprends. Enfin, cette dualité, elle est, enfin, c'est difficile quoi. Alors qu'il existe une multitude de façons de vivre dans le monde. Donc, c'est vraiment une comparaison sur une toute petite façon de vivre à laquelle on devrait coller parce que ça rassurait bien tout le monde. Encore une fois, on parle de se rassurer comme dès le début de du cours, la question, c'était « Et pourquoi est-ce qu'on a créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le cadeau pour rassurer ?» Et du coup, là aussi, c'est des comportements qui rassurent, alors que finalement, tu vas dans un, je sais pas moi, en Amazonie, en plein milieu de la forêt, ils vont vivre complètement différemment. Et si, tout existe, tout est possible. Toutes les façons de vivre sont possibles. Donc, c'est juste en effet une comparaison et un jugement. Et puis la bonne nouvelle, c'est que l'intuition, elle n'est pas parasitée justement par tout ce dont tu parlais, les pressions, les cadres, les choses qu'il est de bon ton d'avoir fait à tel âge, etc. L'intuition, elle n'est pas du tout parasitée par tout ça, alors que le mental, oui. Je pense. Oui, mais justement, il y a un moment, pour lâcher, il faut vraiment pas l'écouter, parce que c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, quand tu dis, son mental va dire,
enfin la honte, tu vas de enfin tu vas paraître débile ou quoi, enfin des trucs comme ça, c'est vrai que ouais, non, enfin c'est pas évident de lâcher, tu dis les enfin faut pas écouter, faut pas s'écouter et se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser ou justement. Céline parlait du chaos et de la créativité du chaos. Je trouve que la situation qu'on vit en ce moment, c'est justement génial parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est des fausses sécurités, en fait. Tous les trucs qui rassurent et qui nous rassurent, et d'avoir fait des enfants à tel âge et de gagner tant, c'est des fausses sécurités parce que comme ça, du jour au lendemain, tout peut être mis par terre en 2 secondes avant qu'on ait même eu le temps de dérouler. Et donc, voilà, ça aussi, ce qui est intéressant dans le chaos qu'on vit aujourd'hui. Ben, Anne nous dit, j'aime bien de Mandela... la phrase « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Super. Elle fait du bien, celle-là. Hein. Elle fait du bien, celle-là. Moi, je le dis souvent aux gamins, quand je les ai, quand ils ne vont pas très bien. C'est en se trompant qu'on apprend. C'est le message aussi qu'il faut donner, je pense, surtout quand tu es enseignant. Ce n'est pas grave de se tromper. À la limite, au contraire. L'important, c'est de savoir... se récupérer là-dessus et pas rester là-dessus surtout, puis voir autrement. Et comment ne pas, comment apprendre sans se tromper? Enfin, je veux dire, déjà, ça ne peut pas exister, c'est parce que je me trompe que j'apprends. Bah, oui. En plus. On peut quand même apprendre sans se tromper, je pense, non? En observant, on apprend quand même. Et quoi apprendre en fait? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, mais je pense qu'on peut apprendre sans se tromper. Comprendre l'erreur, mais sans je sais pas. On tombe dedans. Bah, l'idée, c'est de pas rester sur l'idée que si on s'est trompé, c'est pas bien. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça l'idée. Et c'est super de comprendre tout de suite sans se tromper. C'est génial, tant mieux. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas rester malheureux parce qu'on s'est planté, parce qu'on est nul, parce que moi je supporte plus quand j'entends un gamin qui dit je suis nul, je suis mauvais, regarde, j'ai encore une sale note. Bon, l'idée, c'est de ne pas rester là-dessus, c'est de comprendre pourquoi il s'est planté, qu'est-ce qui s'est passé. C'est plutôt de se regarder autrement que de se juger mauvais. Et justement, tu vois, Anne, moi, j'ai envie de dire, est-ce que ça existe de se tromper? Encore une fois, est-ce que c'est juste un mot, encore une fois, qui est issu du langage du jugement? Et tu vois, se planter, moi, j'entends comme une plante, tu vois, ben... Et ben, quand elle est plantée, c'est pas mal en fait, quoi, parce que c'est là qu'elle va pouvoir faire des racines et puis prendre toute sa force, tu vois. Donc, encore une fois, l'erreur, est-ce que c'est encore du langage du jugement? Parce que ça existe peut-être pas, se tromper, ça existe peut-être pas, l'erreur. C'est heureux. L'idée, c'est de pas rester malheureux. C'est toi qui te sens, voilà, c'est toi si tu te sens dans l'erreur. C'est plutôt ça. Est-ce qu'il, de pas rester, voilà, de, si tu te sens toi là-dedans, de te dire, bah non, je veux pas rester malheureux là-dedans. Mais oui, parce qu'en fait, si on considère juste que c'est une expérience et qu'on a pu la juger comme étant bonne, mauvaise, une erreur ou pas une erreur, bah ça, là, j'ai l'impression que la souffrance cesse. Voilà, mais c'est un peu spécial. Je m'exprime mal, hein, désolée. Mais si, tu t'exprimes très bien, au contraire. C'est justement qui rajoute le fait que qui pose un lexique justement de jugement et de comparaison? C'est le mental qui décide que c'est une erreur ou que c'est un plantage. Enfin voilà, c'est le mental qui décide ça parce que finalement, pour ce que nous sommes, c'est une expérience. Oui, mais le ressenti, enfin moi, quand j'ai un gamin en face de moi qui me dit ça, je sens qu'il ressent ça lui. Ouais. Et ça, c'est vrai, son ressenti là, il est vrai. Il est vrai qu'il se sent nul et qu'il se sent pas bien et qu'il est malheureux. Ça tu peux pas le nier, tu es obligé de l'entendre. Maintenant, tu es obligé de lui changer le regard, oui. Ah voilà, comment tu peux l'aider à ce qu'effectivement il se fasse pas, il se rende pas plus malheureux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est. Et lui montrer aussi, c'est vrai que, ben là par exemple, la question que j'ai posée juste derrière. Est-ce qu'en fait cette idée de l'erreur ou quoi, ou c'est un chaos ce que je vis, ou c'est la fausse route, ou est-ce que ça vient pas de l'extérieur, quelque chose en fait qui a fait que j'ai teinté mes croyances
d'une croyance qui m'a été posée, imposée par une société, par des parents, par une éducation, par des dogmes, par des règles, par des lois, etc. Et donc finalement, qui pourrait être remise à l'extérieur puisque ça viendrait de l'extérieur. Tu vois, la question c'était, si j'étais plus spontanée, est-ce que je créerais plus de chaos autour de moi ou plus d'harmonie ? En fait, c'est vrai que mon mental, il a reçu cette information qui certainement venait de ma mère, de surtout sois pas trop spontané, parce qu'avec toi, dès que tu suives trop ton intuition et que tu ailles là où je pourrais plus te contrôler, quoi. Donc ça venait certainement de ma maman, tu vois, ou de mes parents, de mes enseignants qui me montraient sois pas trop spontané, quoi. Bienvenue au club, hein, parce que moi j'ai eu la même. On est beaucoup comme ça à être été un peu dans les clous pour pas déranger. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais forcément? Bah, t'en sors des clous et t'as l'impression que t'es dans l'erreur. Et t'es, comme tu dis, Anne, vraiment malheureux. Et puis c'est subversif aussi. Enfin, les autres t'envoient l'idée que c'est subversif, alors qu'en fait, non. Donc, d'où vient la sensation de détresse Elle vient d'un jugement de l'extérieur, moi je trouve. Et puis la sensation d'être pas compris aussi. Dans ta spontanéité. Mais souvent d'ailleurs, on trouve les personnes très intuitives complètement folles. Alors là, mon père, moi, c'est dingue parce que ce que vous êtes en train de dire, ça fait jaillir un truc encore. Excusez-moi, ça vous dérange pas que je vous raconte ? Avec choix. Mais mon père, je me souviens, c'est bizarre, j'avais oublié ça. Un jour, je sortais de la maison et il a dû me le dire plusieurs fois. Pourtant, mon père, il est gentil, hein, mais il a dû dire, mais elle est moitié folle, celle-là. Tu vois ? Tu vas te calmer ? Elle est moitié folle, celle-là. Tu vois ? Et tu vois, c'était jamais remonté. Et là, ça vient de remonter. Et je pense que ça... Ouais. Bah, ça a dû bien me dire, ne sois pas toi-même, parce que quand t'es toi-même, on te considère comme une dingue. Il y a tu vois, c'est la question que je pose juste derrière. Est-ce que je restreins ma capacité de vie pour ne pas heurter les autres ? Le nombre de fois où quand on me dit « mais t'es folle, toi !» Mais ça me blesse ! Mais vraiment, parce que oui, je suis fêlée, c'est comme ça que je laisse passer la lumière. C'est parce que je suis fêlée. Et ça me fait mal, parce que c'est comme si on ne pouvait pas me faire confiance. Alors moi, je ne veux faire confiance qu'à ça, qu'à cette intuition, parce que je vois bien que quand je ne lui fais pas confiance, c'est là que je fais une erreur. Mais pas que je me plante, parce que quand je me plante, j'adore ça. Ça me permet de m'ancrer un peu, parce que sinon... Mais c'est l'autre qui me fait penser que c'est une erreur. Mais tellement, Virjou, je te rejoins, mais tellement. Et ça, c'est comme l'histoire de la chef de M. Seguin. En gros, le message, c'est que la chef, tant qu'elle est attachée, certes, mais elle craint rien. Et puis quand elle a envie de liberté et qu'elle va dans les montagnes, elle se fait bouffer par le loup. Et quelque part, tu vois, si tu étais resté attaché, tu ne te serais pas fait bouffer. Et je pense que ça, on l'apprend tout petit aussi. Et bon, ce n'est pas en faveur de l'intuition, malheureusement. C'est ça, ce n'est pas en faveur de l'intuition. Pas du tout, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Emma, comme schéma ? On conditionne, on nous met bien dans une boîte comme ça. Là, ne bouge pas, ne dépasse pas les limites. Moi, je sais que par rapport à ça, ça a été hyper... Je me dis, mais j'avais une puissance de caractère quand j'étais gamine, un truc de dingue. Parce que quand je suis montée, quand j'ai quitté ma province pour venir faire mes études à Paris pour la danse, les gens, ils disaient, mais ta fille, elle va se faire violer dans le métro, mais c'est quoi ce métier ? La danse, mais n'importe quoi, mais pour qui elle se prend ? Tu vois ? Et j'ai entendu ça, et je me dis, mais... Punaise, j'avais une espèce de force de caractère quand j'avais 15 balais, un truc de malade, parce que je leur faisais, excuse-moi, je vais faire un geste horrible, mais je leur faisais ça, quoi. J'y suis allée, tu vois, j'y suis allée et j'ai fait ce que j'ai fait, et je suis contente de leur avoir fait un pied de nez quelque part, parce que j'en ai vécu toute ma vie de mon métier, mais en fait, je me dis que la vie, le truc, c'est qu'après, la vie, des fois, tu te dis, tu sais pas pourquoi, mais cette force de caractère, ben, elle peut s'étioler. Et tout d'un coup, tu te dis, ben, j'avais plus de caractère à 15 ans que je n'en ai maintenant. C'est ça qui peut revenir sous l'effet d'un chaos, justement.
De quoi ? Je me reconnais trop. C'est... Ouais. J'ai l'impression d'être, que j'étais vachement plus vivante et intuitive et impulsive plus jeune. Et avec les années, en rentrant dans le moule, j'ai l'impression de m'être un peu enfermée, quoi. Et effectivement, d'avoir laissé moins vivre, en fait, cette impulsivité. C'est nous qui nous mettons. Non, c'est pas forcément les autres. C'est nous qui nous mettons ce genre de barrière. Quand on dit que c'est les autres, des fois, c'est en nous, finalement. Oui, moi, je suis sûre. Et moi, j'ai envie de donner la parole à Catherine, parce que Catherine, qu'est-ce qui a fait que là, d'un coup, alors que toi aussi, tu avais plein de responsabilités, tu aurais pu avoir le poids de « Attends, j'ai encore un gamin à nourrir, et ben, tu as suivi ton intuition et tu t'es barrée là, à la montagne, pour ouvrir un camping. » Alors que tu avais un métier, tu étais fonctionnaire. Parce que je pense que c'était le moment, parce que je l'ai senti comme ça et que c'est... Et que je ne le regrette pas du tout. Tu n'avais pas vécu un peu un chaos quand même qui a fait que, et fuck, tu sais quoi, maintenant, suivre notre intuition. Tu n'as pas eu ça? Un peu, ouais. Un peu. Souvent, il y a un chaos, tu vois, Virjou, qui permet en fait que tu retrouves cette flamme de tes 15 ans. Et qui disent, et tu sais quoi? Eh bien, puisque c'est la merde, allons-y. Que sinon tu veux pas, tu te dis attends, j'ai le gamin à nourrir, la bagnole à payer, la maison, le truc et tout, là j'ai fait un machin qui tient la route, mais je serais débile et fou de suivre mon intuition qui dit tiens, tu sais quoi, prends le chemin de traverse, alors que là c'est, t'as réussi à faire une autoroute, mais c'est l'autoroute qui t'emmerde, t'en as marre de la prendre ton autoroute. Mais bon, au début c'était un petit chemin de traverse à 15 ans, tu vois, waouh. Tout le monde disait, tu vas te faire violer dans ton petit chemin de traverse, mais tu en as fait une autoroute. Et là, bah, des fois, tu n'as qu'une envie, c'est de reprendre un chemin de traverse. Mais c'est une autoroute que j'ai construite. Il faudrait être complètement con pour prendre un chemin de traverse alors que j'ai fabriqué une autoroute. Et puis des fois, bah, tu vois, sur ton autoroute, il y a une espèce d'immense chaîne qui vient et qui s'écrabouille. Et tu fais, bon, alors puisque c'est l'embouteillage et puis que cette autoroute, elle ne fonctionne plus, ben, autant prendre le chemin de traverse. Et tu repars à zéro. Et t'es heureuse, Catherine? Oui, très. M'envoie des photos. Photos de sa montagne, tu sais, magnifique. Et ben, tu vois, c'est la dernière question que je me suis posée ce matin. Et si je me laisse aller, est-ce que ma liberté pousserait les autres à une plus grande ouverture? Est-ce que tu as inspiré plein de gens, ma Virjo, avec ton petit chemin de traverse de tes 15 ans? Ah, je sais pas. Elle est bonne, celle-là. Elle a dû inspirer, je sais pas, au moins 600 gamins, même plus que ça, peut-être 1000. Attends, ça fait combien de temps que tu es danseuse et que tu es prof de danse? Ah, c'est ça que tu veux dire, excuse-moi, d'accord. Je te repose la question. Pardon. Si je me laissais aller, est-ce que ma liberté pousserait les autres à une plus grande ouverture? Quand tu te laisses aller à ton intuition, franchement, ça n'inspire pas les autres? Bah si. Ouais. Parce qu'au départ, ils t'envoient, tu sais, le panier de crabes. Ils te disent, reste avec nous dans le panier de crabes. Ils sont prêts à te couper les pattes, hein, pour pas que tu sortes du panier de crabes. Mais une fois que tu es sorti, grâce à ton intuition qui te disait, mais il y a une sortie au panier de crabe. Franchement, ça inspire tout le monde, non? Enfin, moi, je n'aurais pas cette prétention-là, mais oui, enfin voilà, il y a eu du partage après qui s'est créé. Beaucoup, 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 mais voilà. Moi, Catherine, elle m'inspire tellement là en ce moment. Mais beaucoup, beaucoup, dès qu'il y a une créativité qui émerge d'un espace comme ça de spontanéité et d'intuition, ça m'inspire. Mais quel qu'il soit, je veux dire, quel qu'il soit, je ne sais pas, tout ce qui s'est créé là, justement, pendant le confinement, mais c'était incroyable. Tiens, si on reparlait de cette idée du chaos là, je me suis dit, depuis quelques années, la Terre semble se révolter
contre notre absence de conscience écologique. Et voyons-nous la démultiplication des catastrophes naturelles comme un signe qui devrait nous appeler à la conscience ou comme une fatalité. Et j'ai noté ça aussi, lorsque d'autres nous font le récit de plonger en eux-mêmes et de rencontre avec le chaos, avons-nous envie de fuir ou de nous aventurer à notre tour? Les êtres chaotiques me font-ils peur ou exercent-ils une attraction sur moi? Est-ce que je résiste à cette attraction? Est-ce que je ressens le chaos émotionnel comme un danger ou comme une source de découverte? En ce moment, ça m'intéresse beaucoup, toutes ces sensations. Tu vois, je me dis, ben voilà, dans ce confinement, il y a tellement de gens qui se sont mis à créer tellement de choses parce que justement, cette contrainte a permis l'émergence de tellement de créativité. Alors, du coup, allons-nous retourner dans nos habitudes, dans nos vasanas? Bon, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez envie d'échanger encore ou on prend 5 minutes de pause et on se retrouve pour une pratique? Pratique. Pratique? Allez. 5 minutes de pause, chacun fait son pipi, tout ça, va chercher les couvertures et tout, parce qu'après on enchaîne. Hein, par contre, la pratique, les pranayama et la méditation en dhyana. Ok. Ok. Excuse-moi, je suis en plein stage de yoga. Je te rappelle dans l'après-midi. Thank you.
tout le monde est revenu là. Il m'en manque 3. Ok. Il me manque Virjo et Emma. Ça vous dit que je tire une carte comme ça au hasard pour rigoler en attendant les copines? On y va. L'oracle de l'Inde éternelle. Ah, c'est pas celui que tu m'avais montré l'autre fois, non? Non, c'en est un autre là. Mmh. Celui-ci, il est aux éditions Michel Jonas. Ok. La sagesse, le conseil, la providence. Chouette. C'est chouette. En attendant Emma, tiens, on va sortir l'autre. À moins qu'il soit là-haut, dans ce cas-là, tant pis. Je regarde si je l'ai, l'autre. Non, je ne l'ai pas. Ça vous donne envie que j'aille le chercher quand même, l'autre? Oui. T'as dit oui? Oui. Allez, je sais pas, je dis ça, mais je pense que... Ah voilà, il y a Emma qui est là. Ouais. Il faut que je prenne mes habits pour mon fils. Et commencer. Céline, elle va tirer une carte. On a le temps. Oh pardon, j'ai dû vous défoncer les oreilles. Ça va. Ah, Emma est revenue. C'est celui-là. L'oracle cosmique. Je pense que ce n'était pas non plus celui que tu m'avais montré l'autre fois. En encore un autre. Ah bah alors. Je n'ai plus. Ah, c'était peut-être ça. Il y a tout qui tombe. Quand il y en a trop qui tombent, c'est pas bon. Ah, ce sont des jugements, Céline. Oui, t'as raison. Ah, il y en a une qui est tombée. Soyez courageuse. Grégory Moutambo dit que le courage, c'est le cœur en action. Marchez les yeux fermés, le corps ouvert. Juste, j'ai envie de regarder du coup ce qui se dit sur... Il y a toujours une petite phrase... Donc, 1, 2, 3. C'est une phrase de Caroline Miss. Quelqu'un connaît Caroline Miss? Non. Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? C'est marrant comme ça rejoint le thème de la discussion. Vous voulez que je la relise la phrase ou ça va? Non, ça va. Tu veux bien la noter? Tu veux bien la noter? Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Caroline Miss. M-Y-S-S.
Bien. Vous allez commencer par un pranayama, s'il vous plaît. Un contrôle de souffle, enfin, si on peut appeler ça contrôle. C'est parce que nous allons contrôler le flux dans les nadis, en fait. Freiner l'entrée de l'air dans les nadis. Les nadis qui sont les canaux énergétiques. Je propose Pratiloma Ujjayi. Pratiloma Ujjayi, c'est ce que j'appelle la tour d'ivoire. C'est vraiment le fait de pouvoir se mettre en soi complètement dans sa tour. Dans sa tour d'ivoire. Alors, c'est extrêmement puissant comme respiration. Donc, faire attention à ne pas l'exercer en excès parce que lorsqu'on pratique trop Pratiloma Ujjayi, on finit par en avoir rien à fiche des autres. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de faire un retour sur soi pour encore mieux être en contact avec les autres. Pratiloma Ujjayi, vous avez la mudra dans la main droite. C'est-à-dire que vous mettez l'index et le majeur de votre main droite dans la paume de la main. Et vous faites une pince avec les trois autres doigts. C'est-à-dire que le pouce va vraiment toucher la narine droite et les deux autres doigts vont vraiment toucher la narine gauche. Les trois doigts touchent le nez. Pour l'inspiration, vous allez faire, la première inspire, un petit son là dans la gorge qui s'appelle l'Ujjayi. Donc, vous inspirez par vos deux narines avec la main sur, les deux mains sur la cuisse. D'abord, bon, fermez vos yeux. Je vais vous guider. Hein, pour Pratiloma Ujjayi, je vais vous guider. Vous fermez vos yeux, vous commencez juste à sentir le corps. Vous sentez le corps comme il est là, dans sa posture. S'il y a des tensions. Vous goûtez, voilà, si vous poussez le socle et que vous vous sentez assez érigé, mais sans tension. Que vous avez bien monté votre poitrine, mais sans tension. Que vous avez détendu la nuque, mais pareil, sans créer de tension. Voilà, et quand vous vous sentez assez bien, vous goûtez aussi que vous respirez spontanément. Que ça crée des mouvements dans votre corps. Et déjà, vous sentez que vous vous tournez plus vers l'intérieur, vers les sensations du corps. Les sensations du souffle qui passent. Voilà. Commencez à mettre en place un petit son là dans la gorge pour freiner l'entrée de l'air et freiner la sortie de l'air. Et vous voyez que du coup, l'inspire et l'expire commencent à s'allonger, se fluidifier. Ce frein là, c'est pour fluidifier. C'est comme un tourbillon, un vritti. Ça tourbillonne, ça se fluidifie. Bien. Sur votre prochaine inspiration, vous gardez là ce son dans la gorge et vous remplissez vos poumons. Et puis quand vous sentez que ça y est, c'est bon, c'est plein, vous posez les trois doigts sur le nez. Et là, vous libérez un petit peu, un tout petit peu la narine gauche. Et vous laissez sortir l'air. Il n'y a plus le frein dans la gorge. Vous laissez sortir l'air freiné dans la narine gauche. La droite est bouchée. Le ventre se creuse et se contracte. Quand c'est bon, vous avez vidé, vous remettez de l'air par la narine gauche. Et là, vous remplissez les poumons à nouveau. Le diaphragme va pousser les viscères. Puis quand c'est plein, vous posez la main sur la cuisse et vous laissez sortir l'air par les deux narines. Avec le petit son dans la gorge et le ventre qui se creuse. Puis, vous réinspirez par les deux narines à nouveau. On va s'occuper maintenant de la narine droite. Vous remplissez vos poumons et vous bouchez le nez quand c'est plein. Maintenant, la narine droite. Vous laissez un mince filet d'air sortir par la narine droite. Le ventre se creuse. Quand vous avez fini de vider, vous remettez de l'air par la narine droite, toujours. Vous remplissez bien vos poumons. Et quand vous avez fini de remplir, vous posez la main sur la cuisse et vous laissez sortir l'air par les deux narines en contractant bien le ventre.
vous avez fait gauche, droite. On va recommencer à nouveau. Vous remettez de l'air par les deux narines, avec le son dans la gorge. Ça commence toujours comme ça. Quand tu réinspires, quand tu inspires avec la moudra, tu mets le frein aussi à l'inspiration ? Tu mets plus le frein. Quand tu es à la moudra, tu mets plus le frein dans la gorge. C'est ça ta question, Emma ? Tu pinces un peu, tu... Tu pinces beaucoup la droite et tu laisses un tout mince filet d'air sortir par la gauche. C'est ça ta question, Emma ? Non, tu as dit qu'on fait une fois moudra, inspire, expire. Non. J'ai dit ça commence par l'inspire par les deux narines. Toujours. Ça commence par l'inspire par les deux narines. Tu expires à gauche. Tu réinspires à gauche. Là. Tu réinspires avec les deux. Pardon ? Tu réinspires à gauche. Tu es avec la moudra ? Oui. Et tu freines pour, à l'inspire ? Oui. Ok. Et après, tu t'occupes pareil de la droite. Je vais attendre qu'elle finisse la droite et je reprends le guidage pour les deux côtés. Voilà. Tu commences toujours par l'inspiration avec tes deux narines, donc le frein est dans ta gorge. Tu remplis tes poumons. Tu bouges ton nez et tu expires à gauche. Donc la droite est bouchée, la gauche est freinée. Tu réinspires à gauche, toujours avec la moudra, puisque comme c'est à gauche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui freine le nez. Et pour freiner le nez, il n'y a que les mains. Et tu poses la main sur la cuisse pour expirer par les deux narines. Donc, du coup, tu retrouves ton frein dans la gorge. Maintenant, on va s'occuper de la droite. Tu réinspires par les deux narines. Donc, le frein est dans la gorge. Puis, tu veux freiner en alterné. Donc là, il te faut boucher les narines. Avec la moudra, forcément, puisqu'il n'y a que tes doigts qui peuvent boucher tes narines. Et là, c'est à droite. Que tu laisses sortir l'air d'abord et que tu le fais rentrer. Quand tes poumons sont à nouveau pleins, tu poses la main sur la cuisse et tu laisses sortir l'air par tes deux narines avec le frein du cou dans la gorge. Et tu reprends gauche-droite. T'inspires par tes deux narines. Puis tu bouches et tu expires à gauche. Tu inspires à gauche. Tu poses la main sur la cuisse pour expirer par les deux. Tu t'occupes maintenant de la droite. D'abord, tu commences par l'inspire par les deux narines. Tu bouches et tu t'occupes de la narine droite. À l'expire d'abord, puis à l'inspire. Enfin, tu poses la main sur la cuisse pour vider tes poumons avec la contraction du ventre et le frein dans la gorge. Je vous laisse faire une dernière fois sans moi. Gauche-droite. Ça commence toujours par l'inspire par les deux narines.
Quand vous avez terminé, prenez quelques instants pour goûter, en fait. Tiens, qu'est-ce que ça m'a fait de faire ça? Comment je me sens? Sans jugement, sans rien attendre, j'observe. Quand vous sentirez que c'est juste pour vous, vous déplierez vos jambes et puis vous viendrez vous mettre debout pour me rejoindre en Samasthiti. Voilà, juste le temps de sentir. Ah oui, je voulais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter... parce qu'on va chanter comme d'habitude et... Du coup, pour éviter d'entendre des rames, tu vois, de partout. Donc, coupez bien vos micros. Et par contre, vous intervenez, évidemment, dès que vous en avez besoin, en rallumant vos micros. Ça m'a instillé juste de sentir comment le poids du corps se répartit sur les deux pieds. Comment vous êtes érigé dans cet espace heureux. C'est un espace où vous vous sentez bien. Vous évitez les tensions et pour autant, vous poussez bien dans la terre pour vous ériger vers le ciel. Voilà, il n'y a pas de tension, il y a comment je suis là. Comment je suis quand je suis posée comme ça. Alors, j'ai failli dire un homme debout. Bon, ben, un homme debout, c'est un humain debout, quoi. C'est une femme debout. C'est comment je suis quand je suis debout, voilà. Et je respire. Et je suis. J'ai envie aujourd'hui qu'on mette un peu le feu, tu vois, que ça rayonne. Donc, du coup, j'ai envie qu'à chaque expire, on lance ce mantra. C'est un R qui roule, un A long et un M, un petit M. Un petit M pour l'ego quand même. Un ego bien renforcé, bah, il ne va pas demander à être comblé, tu vois. Tout simplement, vous allez inspirer, monter les bras par l'avant, en chantant Ram. Vous expirerez et vous viendrez fléchir le corps en avant, puis institi. À l'inspire, détirez la colonne vertébrale sans déplier au niveau des hanches, détirez de la tête au sacrum et à nouveau ram pour relâcher du sacrum jusqu'au bout des cheveux. Le retour, vous montrez les bras pour bien ouvrir la cage thoracique, poussez bien dans les pieds. Étirez-vous pleinement et vous relâcherez les bras par l'avant. Et ça, vous allez le faire 4 fois. Je vous guide. Voilà, sentez bien le poids du corps comme il se répartit sur les deux pieds. Expirez ici. Inspirez, montez les bras par l'avant. Étirez-vous bien, comme un élastique. Appuyez dans le sol et tirez vers le ciel. Chantez, fléchissez le corps en avant. Retirez la colonne vertébrale de la tête jusqu'aux fesses sans déplier les hanches et en chantant, relâchez à nouveau des hanches jusqu'à la tête. Vous lâchez jusqu'en bout, jusqu'au bout des cheveux et vous remontez. Inspirez, montez les bras. Allez, poussez bien dans les pieds et relâchez les bras par l'avant. Très bien, encore 3 fois, à votre rythme à vous. Les bras montent d'abord dans l'inspire. Vous chantez pour relâcher le corps en avant. Ram. Le stiti à l'inspire. Sans les bras, sans les bras, sans les bras. Oui, il pèse trop lourd. Et vous relâchez en chantant. Le retour. Poussez bien dans les pieds, montez les bras, c'est les bras qui vous hissent. Voilà, c'est le bout des doigts qui vous hissent.
Et vous relâchez. Encore deux fois. Dans le stiti, il n'y a pas le bras. Il n'y a pas de bras. Bien. Alors, après Uttanasana, là c'était Uttanasana que vous avez préparé avec un stiti. Vous allez pratiquer Ardha Uttanasana. Dans Ardha, on entend tout de suite que ça va être un peu hard. Donc, je vais vous demander dans Ardha Uttanasana de bien inspirer jusqu'à là pour nourrir cet endroit-là. Ardha Uttanasana, c'est cette posture-là. Là, pour le coup, Catherine, là, il y a les bras parce que c'est ce qu'on veut. On veut renforcer le haut du corps. Mais du coup, il ne faut pas que le bas du corps traîne. Donc, il va falloir inspirer jusque-là. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que voilà ce que je propose. Comme Ardha Uttanasana, c'est une posture qui se prend en inspirant. C'est une posture vraiment de redressement. Donc, on va la prendre comme suit, comme ça. Vous voyez bien, si je me mets là, vous inspirez, vous montez vos bras comme tout à l'heure. Là, vous chantez Ram. Non, ok, d'accord. 2, 1, 2, 1, ok. Et vous relâchez, mais pas complètement, pas complètement. Et là, en inspirant, vous inspirez bien jusqu'aux fesses et vous redressez le haut du corps. Et là, en expirant, vous allez jusqu'en bas. Puis vous remontez. Pour le compte, vous allez faire 2, 1, 2, 1. Ça veut dire, par exemple, ce que vous considérez comme 2, c'est par exemple, pour moi en ce moment, je vais dire, c'est 12 secondes. 12 secondes d'inspire. Et 1, ça va être la moitié, donc 6 secondes poumon plein, 12 secondes d'expire, 6 secondes poumon vide. Mais vous pouvez très bien considérer dans votre 2, 1, 2, 1, 10 secondes d'inspire, 5 secondes poumon plein, 10 secondes d'expire, 5 secondes poumon vide. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris si vous me faites ça? Ok, j'adore Flo, elle fait comme ça. Elle baisse parce que sinon, je ne vois pas les doigts. Ok. On part pour la présentation sur 10, 5, 10, 5. Hein? Et puis après, vous faites votre vie. Ok. Alors, c'est parti. Laissez bien ici vos poumons se vider. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poumons vides. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, Ardha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, Uttanasana, 7, 8, 9, 10, poumons vides, 1, 2, 3, 4,
5, inspirez, reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5, relâche les bras le long du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est trop ? 10, 5, 10, 5. Faites-moi signe. Genre ça, c'est pas bien. Pas bien. Pas bien. Trop. Ok. On va choisir 6, 3, 6, 3. Ça marche. Merci Yvette. Ok. C'est parti. Je vous guide. 6 secondes d'inspire, 3 secondes poumon plein, 6 secondes d'expire, 3 secondes poumon vide. Laissez bien vos poumons se vider. Inspirez. 1, 2, montez les bras. 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, expirez. 1, 2, 3, 4. Allez, pas jusqu'en bas, pas jusqu'en bas. 5, 6, poumons vides. 1, 2, 3. Arda. 1, 2, montez que les bras. 4, 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, relâchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poumons vides. 1, 2, 3, remontez. 1, 2, 3, allez, étirez par les doigts, par les doigts. 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, relâchez les bras le long du corps. 2, 3, 4, 5, 6, poumons vides. 1, 2, 3, reprenez. 1, 2, 3, 4, étirez-vous. 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, expirez. Relâchez en avant, mais pas complètement en avant, pas jusqu'en bas. Poumons vides. 1, 2, 3, étirez le corps. 3, 4, 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, relâchez jusqu'en bas. 2, 3, 4, 5, 6, poumons vides. 1, 2, 3, le retour. 1, allez, par les doigts, par les doigts. 5, 5, 6, poumons pleins. 1, 2, 3, relâchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poumons vides. 1, 2, 3, encore deux fois. Allez, étire, étire, étire le dos. 6 poumons pleins. 1, 2, 3, relâche. 6 poumons vides. 1, 2, 3, retour. Allez, monte les doigts, monte les doigts, monte les doigts. 1. Allez, monte les bras, monte les bras, monte les bras, monte les bras, monte les bras. Et...
J'attends juste qu'Yvette et Anne terminent. Nous allons faire un passage Chakravakasana à Adho Mukha Svanasana. Le quatre pattes et le chien tête en bas. Pour vous allez le faire quatre fois et quatre respirations statiques. Chaque expire, je vais vous proposer de chanter ram, 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 c'est-à-dire trois rams d'affilée. Ici, Chakravakasana en inspirant, c'est-à-dire que vous cherchez à ouvrir la cage thoracique, donc creuser entre les omoplates pour remplir les poumons le plus possible, quitte à fléchir les coudes en direction des cuisses si nécessaire. Et la tête peut se redresser, hein. C'est vraiment l'objectif, remplir les poumons, ouvrir l'espace du cœur. Et là, vous passez en chien tête en bas en chantant trois rames. Vous lâchez la nuque d'abord, ça contracte le ventre, vous retournez les orteils et vous montez les fesses. Ram, ram, ram pour aller en chien tête en bas. Ça, quatre fois. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. À la quatrième fois, vous restez ici, poussez bien dans les pieds et vous chantez quatre. Enfin, vous restez quatre respirations statiques et à chaque expire, vous chantez ram, ram, ram. Et vous sentirez votre ventre qui va bien se creuser. Et à l'inspire, vous repasserez là et vous relâcherez. Hop, un petit moment de détente. Je vous guide. Vous êtes à quatre pattes. Le poids du corps équilibré entre les mains et les genoux. Et vous expirez ici. Voilà. Maintenant, inspirez et ouvrez la poitrine. Allez, ouvrez la poitrine. Mettez de l'air, mettez de l'air. Chantez ram, ram, ram et passez en chien tête en bas. Lâchez la nuque, retournez les orteils. Ram, ram, ram. Et vous êtes en chien tête en bas. Vous inspirez, vous repassez à quatre pattes. Très bien, ouvrez la poitrine, ouvrez la poitrine. Chantez ram, 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 repassez en chien tête en bas. Lâchez la nuque, lâchez la nuque. Oui. Encore deux fois ça. Quatre pattes à l'inspire. Chantez ram, ram, ram pour vous placer en chien tête en bas. Détendez les genoux. Creusez entre les omoplates. Amenez la poitrine vers les genoux. Quatrième chien tête en bas, vous restez dans le chien pour quatre respirations. Chaque expire, vous chantez ram, ram, ram. C'est chien tête en bas et tu chantes ram, ram, ram en chien tête en bas quatre fois. Merci. En position statique. Avec joie. Oui, voilà, quand vous avez fini, faites l'enfant. Vous savez, la posture où vous êtes assis sur vos talons, les bras le long du corps ou les bras dans le bas du dos. Voilà, le dos tout rond. Et vous vous reposez un peu en attendant les copines.
Anne, je veux bien que tu descendes un peu ta caméra pour que je te voie mieux, s'il te plaît. Idem pour Marie-Christine. Idem aussi pour Yvette, s'il vous plaît. Si vous pouvez, toutes les trois, descendre un peu la caméra. Je vois plus le tapis. Voilà. Super. Marie-Christine, encore plus bas. De façon à ce que je vois le tapis. Super. Vous allez maintenant vous placer sur le ventre, s'il vous plaît, pour Bhujanga Asana, le cobra. Là, je vous propose ce mantra. Quand vous allez inspirer, vous allez entendre Soham. Soham, je suis. Soham. Soham. Et à l'expire, vous allez le chanter. Soham. Je vous explique. Quatre fois, le cobra, aller-retour. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et puis vous y retournez et vous y restez quatre respirations statiques. Pour prendre le cobra, le front est au sol, les bras sont le long du corps, vous êtes parfaitement détendu, les fesses, les épaules, tout est détendu. Et quand vous inspirez, paume de main vers le ciel pour détendre les épaules dans le sol. Et lorsque vous inspirez, vous tirez vos épaules en arrière, ça retourne vos paumes de main. Vous êtes comme tiré par les épaules et vous vous redressez. Et en expirant, vous laissez tout le corps sur la chair, rentrez bien le menton et relâchez du nombril jusqu'au front. Vous m'avez entendu quand j'ai dit tout ça? Yes. Alors, je vous invite à vous allonger sur le ventre, front au sol, bras... Oui. Tu as dit quatre fois. Alors, quatre fois aller-retour. Ouais. Puis, quatre respirations dans la posture. Ok, merci. Et à l'inspire, vous entendez Soham. À l'expire, vous le chantez. Menton rentré, les yeux fermés, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, le corps parfaitement détendu, les fesses relâchées, les jambes relâchées. Et expirez bien. Inspirez, sentez vos épaules se redresser, être tirées vers l'arrière et redressez le haut du corps. Peut-être même les paumes de main se retournent vers le sol. Vous entendez Soham dans la tête et là maintenant pour relâcher, vous chantez Soham. Rentrez le menton et relâchez, relâchez en chantant Soham. Encore, vous inspirez, vous entendez Soham dans la tête et vous vous redressez. Sans forcer avec les fesses bien molles. Et vous chantez Soham, vous rentrez le menton, vous relâchez tout le corps, relâchez-le bien, du nombril jusqu'au front. Encore deux fois comme ça. Vous inspirez, vous redressez, sans tirer sur la nuque et sans contracter les fesses. Et vous chantez Soham pour relâcher, rentrez bien le menton. Une dernière fois. Et puis quatre respirations dans la posture du cobra. Les yeux sont fermés, vous êtes concentré dans cet espace à 2 cm derrière la paroi du front, Brumadia. Entre les deux yeux, derrière la paroi du front. Lorsque vous avez terminé, ne restez pas sur le ventre. Revenez sur le dos. Amenez les genoux à la poitrine. Si vous le voulez bien, on garde ce mantra Soham.
Urdhva Prashrita Padasana, les mains sont sur les genoux pour Apanasana, voilà, bien détendu. Mais alors, c'est vraiment la posture d'élimination, autant dire que rien ne doit être contracté quand on élimine, hein, sinon ça ne marche pas. À part le ventre, lui, oui, il est serré, oui. Ici, en inspirant, vous allez entendre Soham dans la tête et vous portez les bras en arrière de la tête, vous étirez les jambes vers le ciel. Et en chantant Soham, vous relâchez à nouveau les genoux à la poitrine et les mains sur les genoux. Et bien détendu avec le ventre contracté, lui, oui. 6 fois comme ça. Et après, vous restez 6 respirations avec les jambes au ciel. Donc là, vous inspirez, vous entendez Soham dans la tête et les bras s'étirent en arrière de la tête, les jambes vers le ciel. En chantant Soham, vous ramenez les genoux à la poitrine. Les épaules bien détendues, coudes relâchés, poignets relâchés. Encore 4 fois. On ne ramène pas les bras ? Si, tu ramènes les bras, les mains sur les genoux, oui, en Apanasana. Détends bien tes épaules, tes coudes et tes poignets en Apanasana. Oui, très bien, Yvette, avec les chevilles détendues, les orteils détendus, super. Quand vous l'avez fait 6 fois, comme ça, les retours, vous faites 6 respirations avec les bras en arrière de la tête, les jambes vers le ciel. Vous entendez Soham à l'inspire et vous chantez Soham à l'expire et vous gardez les jambes au ciel. Bien. Puis vous placez vos talons très très près du bassin pour la table à deux pieds. Vous retirez vos coussins sous la tête surtout. Vous allez rester une respiration statique dans la posture de la table à deux pieds. Vous allez chanter à l'expiration Ram 3 fois. Et on va le faire 3 fois avec poumon plein 6 secondes et 3 fois avec poumon plein 8 secondes. Je pense que ça va passer. Donc, je vais tout compter. Vous êtes les talons près du bassin, bras le long du corps.
Voilà. Vous garderez bien, s'il vous plaît, les genoux dans l'axe des orteils. Hein. Les genoux dans l'axe des pieds. Laissez pas les genoux s'écarter. Gardez bien les genoux dans l'axe des pieds. OK. Laissez vos poumons se vider ici. Inspirez. Mettez-vous dans la posture de la table à deux pieds, c'est-à-dire montez les fesses. Déplacez tout le poids du corps sur les épaules. Talons dans le sol. Voilà. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez dans la posture. Chantez ram, ram, ram. Ram, ram, ram. Inspirez. Restez dans la posture. Restez poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâchez le dos au sol et ramenez les genoux à la poitrine. Impeccable. On recommence ça avec 6 secondes poumons pleins. Vous inspirez, vous placez la table à deux pieds. Allez, tout le poids du corps sur les épaules. Genoux bien dans l'axe. Restez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chantez ram, ram, ram dans la posture. Puis vous réinspirez. Allez, déplacez encore plus la poitrine au-dessus du menton. Restez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous relâchez en expirant. Vous amenez les genoux à la poitrine pour bien détendre le bas du dos. Recommençons cela, s'il vous plaît, avec 6 secondes poumons pleins. L'inspiration. Allez, tout le poids du corps sur les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez dans la posture. Chantez ram, ram, ram. Puis l'inspire revient. L'occasion d'amener encore plus le poids du corps sur les épaules. Montez la poitrine au-dessus du menton. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous relâchez tout. Vous revenez les genoux à la poitrine pour bien détendre le bas du dos. Nous pouvons passer à 8 secondes poumons pleins, 3 fois. De la même façon. Vous inspirez, vous placez la table à deux pieds et vous restez poumons pleins 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ram, ram, ram dans la posture. Genoux bien dans l'axe. Puis reviens l'inspire. Déplacez bien la poitrine au-dessus du menton. 8 secondes, poumons pleins à nouveau. Et l'expire permet le retour des genoux à la poitrine pour une détente du bas du dos. Encore 2 fois, avec 8 secondes, poumons pleins, ram, ram, ram à l'expire. Oui, vous pouvez utiliser vos mains si vous en avez envie, vos poignets et vos coudes, vos épaules pour appuyer sur le sol. Ou comme Flo le fait, nouer les doigts sous les fesses et tirer sur les doigts. Pour creuser encore plus entre les omoplates. Oui, retourne tes pattes et paumes de main, Yvette.
Garde les paumes de main vers toi. Voilà. Et tu tires sur les bras pour les tendre. Super. Puis vous restez 6 respirations avec les genoux à la poitrine. Voilà, pour bien détendre le bas du dos. 6 respirations bien profondes. Souffle fluide, corps détendu. Oui, Marie-Christine, essaye de voir comment ça fait quand tu as les paumes de main vers le ciel. Goûte la sensation. Si ça crée une tension, une peur, ou si au contraire, ça crée une ouverture. La pièce de monnaie, c'est peur, ouverture d'esprit. Hein. C'est la même pièce de monnaie. Ça dépend d'où on regarde et en fait, qu'est-ce qu'on choisit finalement de faire émerger comme face de la pièce. Soit on préfère, mais bon, attends, je reste un peu fermée, ou ok, je tente l'ouverture. Forcément, c'est un plongeon, comme on l'a vu, dans le vide. Hein. Une ouverture vers je ne sais pas. Alors, Dandasana. Dandasana, c'est une posture assise. Donc, roulez bien sur le côté hein, pour ne pas venir vous blesser. Et si, comme moi en ce moment, je travaille beaucoup en ce moment sur le chakra racine, en fait, sur l'ancrage dans l'humain, l'ancrage dans ce monde, le nettoyage en fait des mémoires cellulaires sur la sécurité, et ben, du coup, à force de nettoyer ça avec la trame, forcément, c'est un réalignement qui fait pas... Enfin, ça me fait un peu mal. Donc, moi, aujourd'hui, je préfère mettre un petit socle comme ça sous mes fesses. Alors, si vous prenez un livre, ne prenez pas un livre sacré pour mettre sous vos fesses. Hein. Ou ça peut être une chose comme ça. Mais en tout cas, quelque chose de dur. Parce qu'il faut pouvoir pousser le sol. On ne peut pas pousser du mou. Donc, il nous faut du dur. Là, pour Dandasana, la proposition, c'est celle-ci. De faire 6 fois, j'inspire, je monte les bras, je noue mes doigts, je pousse le plafond, j'expire et je relâche. Or, ça peut être monter les bras par les côtés. Comme ça, les bras sont placés le plus en arrière possible dès le départ. Peut-être même encore mieux. Et à l'expire, je relâche. On fait ça? Vous allez inspirer. Alors là, on va faire poumon plein. 4 secondes, puis 6 secondes, puis 8 secondes. 2 fois chaque. Oui, 4, 6, 8, ça me paraît pas mal. Quoique, vous venez de faire 6, 8. On va tenter 6, 8, 10. Ouais, 2 fois chaque. OK. Et après, vous restez 6 respirations statiques dans la posture. Et là, vous garderez le temps des poumons pleins qui vous convient le mieux à vous. Ça marche? On tente. On tente 6 secondes. Poumon plein 2 fois, 8 secondes poumon plein 2 fois, 10 secondes poumon plein 2 fois, et ensuite vous faites 6 respirations statiques avec l'espace poumon plein qui vous convient. Ok, les yeux sont fermés là s'il vous plaît, laissez bien vos poumons se vider.
Attends, pardon. Tu as le dos un peu arrondi, Emma. Voilà. L'idée, c'est peut-être de mettre quelque chose en dessous pour avoir le dos bien droit. T'es bien, tu te sens bien? Parce que tu es un peu comme ça. Tu as mis une brique. OK. Alors, essayez de redresser. Tirez les épaules en arrière. Très bien. Laissez ici vos poumons se vider. Les yeux sont fermés. Inspirez, montez les bras par les côtés, entrelacez vos doigts, poussez le plafond. Restez poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, relâchez. Bras par les côtés à nouveau. Très bien. On reste en 6 secondes, poumons pleins. Inspirez, montez les bras par les côtés. Entrelacez vos doigts. Tirez les paumes de main vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, relâchez. On passe à 8 secondes poumons pleins, s'il vous plaît. Inspirez, montez les bras par les côtés. Vous nouez vos doigts, vous entrelacez les doigts. Paumes de main vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez, relâchez. Encore 8 secondes poumons pleins. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Expirez. On passe à 10 secondes poumons pleins, s'il vous plaît. Profonde inspire, inspirez longuement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bras bien tendus, 8, 9, 10, magnifique, magnifique. Encore en 10 secondes, poumons pleins, bras bien en arrière des oreilles si vous le pouvez, si c'est possible pour vous aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 6 respirations maintenant avec les bras au ciel et vous restez poumons pleins le temps qui vous convient à vous. 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes, je ne sais pas. 6 respirations avec les bras en l'air. Doigts entrelacés, paume de main retournée, bras bien tendus. Vous expirez avec cette posture des bras vers le ciel. Vous comptez 6 inspires ou 6 expires, comme vous voulez. Oui, le corps a qu'une envie, c'est de pencher vers l'avant, hein. Eh ben, on va lui le laisser aller là-dedans. Donc, pour Pashimo Uttanasana. Attendons un peu parce que Flo, voilà, prends ton temps, Flo, prends ton temps.
Pashimo Uttanasana, c'est, vous savez, Uttanasana, c'est ça? Eh bien, c'est la même chose, mais en assise. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai proposé un stiti. Vous vous souvenez, vous étiez là, je vous ai dit stiti. C'est-à-dire de ne pas déplier les hanches, juste de dresser la colonne vertébrale et de relâcher encore. Eh bien, la même chose, mais en posture assise. Donc, vous allez inspirer, monter vos bras par l'avant, relâcher le corps en avant, le stiti, relâcher à nouveau et remonter. Ça marche? Vous allez rester 6 respirations statiques quand vous aurez fait votre stiti. Une fois que vous êtes ici, je vais vous proposer de relâcher. Mais si ça commence à tirailler sérieux, ben vous avez peut-être un traversin. Et puis, vous mettez le traversin sous vos jambes. Si vous avez un socle sous les fesses. On garde la carte. Ou vous mettez, vous pouvez mettre une brique sous les genoux. Ou alors rouler la couverture. On la garde au départ sous les fesses. Tu peux la garder au départ sous les fesses. Ah oui, d'accord. Mais du coup, les jambes seront encore plus bas, tu vois, si tu gardes ça sous les fesses. D'accord. Là, par exemple, c'est chouette, Flo, elle roule la couverture pour la mettre sous ses genoux. De façon à ce que ses genoux puissent avoir une petite flexion, tu vois. Ok, chacune a trouvé. Après votre stiti, vous restez penché en avant pour 6 respirations. Et là, je vais vous proposer dans l'expire de chanter et de laisser aller toutes les émotions avec le A. C'est parti? Allez, je vous guide, juste pour y aller. Les yeux sont fermés, vous inspirez, vous montez vos bras par l'avant. Voilà, poussez bien vos fesses dans le sol. Vous chantez A et vous relâchez le corps en avant. Lâchez, lâchez les émotions, lâchez tout, lâchez tout, lâchez. Un stiti, s'il vous plaît, pour détendre la colonne vertébrale. Vous inspirez sans les bras, Catherine. Les bras pressent trop lourd. Voilà, vous étirez la tête jusqu'aux fesses. Chantez et relâchez encore plus profondément. Voilà. Maintenant, vous restez là, le corps relâché vers les jambes. Et vous chantez 6 fois. Voilà, lâchez, lâchez les émotions, laissez-les aller, laissez aller. Lâchez la nuque. Je vous invite maintenant à pratiquer Ubhaya Padangusta Asana. Alors, on part de Danda Asana et en poumon vide, on monte les deux jambes. Mais moi, je n'y arrive pas, je suis obligée de les fléchir un peu pour hop, prendre un élan et les monter.
Ubaya Padangusta Asana, vous ouvrez bien la poitrine. Voilà. Et vous restez en équilibre comme ça, les yeux fermés, 6 respirations. Et vous observez Taraka, l'horizon, loin devant vous. Et pour 6 respirations, la poitrine grande ouverte, vous accrochez les gros orteils avec vos index. Tire les coudes vers toi, Amalia. Oui. Allez, amène tes jambes près du front. Garde les jambes collées l'une contre l'autre. Oui, ouvre la poitrine. Monte les seins vers le plafond. Oui, tire les coudes vers toi. Les jambes serrées. Plie tes coudes, Virginie. Allez, plie tes coudes, Virjou. Plie tes coudes. Voilà, ferme les yeux. Colle les pieds l'un contre l'autre. Monte la poitrine. Allez, plie tes coudes, plie tes coudes. Oui, plie tes coudes. Voilà, très bien. Garde les pieds collés. Oui. Respire lentement. Oui, monte la poitrine maintenant, Amalia. Allez, ouvre le haut du corps. Ouvre le haut du corps. Magnifique. Oui, pour vos Tana Asana. Bravo, bravo mesdames. Voilà le genre de posture en fait qui nous fait travailler l'équilibre tout en restant le cœur ouvert. On sent que c'est instable, mais je garde le cœur ouvert. Pour vos Tana Asana, c'est vraiment le cœur ouvert là. Vous gardez vos doigts en direction des orteils s'il vous plaît et vous montez le bassin. Vous lâchez la nuque. Elle sera protégée si vous mettez vos doigts en direction des orteils et vous relâchez à l'expire. C'est vraiment la contre-posture là. Donc, vos yeux sont fermés, les doigts sont bien en direction des orteils. Très bien. Les jambes tendues si possible et vous inspirez, vous montez les fesses. Mais vous les montez vraiment, vraiment, vraiment. Vous relâchez la nuque. Vous expirez, vous venez à nouveau vous asseoir. Relâchez bien la tête en avant quand vous vous asseyez. Voilà, encore 5 fois. C'est la contre-posture. Allez, montez le pubis vers le ciel. Oui, et vous relâchez. Relâchez bien la nuque en avant. Voilà, les coudes bien fléchis. Sublime. Encore. Allez, pubis très haut, pubis qui monte. Bravo. Voilà, les pieds collés, Amalia. Je n'ai aucune pitié pour les jeunes. Oui, magnifique, magnifique. Puis en tailleur, en lotus, comme vous le voulez, pour 6 respirations en Anuloma Ujjayi. Ou sur une chaise, hein, d'ailleurs, hein, si c'est plus agréable pour vous. Très bien, Marie-Christine, de mettre un petit socle sur les fesses. Voilà, Yvette, elle sort son petit banc. Anuloma Ujjayi, aucune contre-indication à Anuloma Ujjayi. Autant je vous ai dit tout à l'heure, à Pratiloma Ujjayi, attention, si vous le faites un peu trop souvent, un peu trop longtemps, vous risquez d'en avoir un peu rien à fiche des autres.
parce que ça met vraiment dans notre tour d'ivoire. Ici, à Nolama Ojai, ça permet d'avoir tous les systèmes bien détendus, le corps détendu, comme on disait tout à l'heure, un corps libéré de ses tensions, un mental silencieux, un souffle fluide pour l'absence de peur. Donc, je vous invite dans cette posture à fermer vos yeux et à vous concentrer sur Nabi, le nombril, l'espace du nombril. C'est près de Manipura, le chakra du feu. Oui, Amalia, j'essaye de remettre avec les questions d'hier soir que tu m'as posées. Ici, vous inspirez en fait avec vos deux narines, donc vous retrouvez votre frein dans la gorge. Vous remplissez vos poumons en entendant ce petit son dans la gorge. Puis vous bouchez vos narines avec les trois doigts, comme on a vu tout à l'heure. Index majeur dans la paume de la main, le pouce sur la narine droite, les deux autres doigts sur la narine gauche. Et là, l'air sort par la narine gauche freinée. Et vous êtes toujours en regard de ce ventre-là qui se contracte. À Nolama Ojai, vous reposez la main sur la cuisse en inspirant. Vous refaites rentrer l'air à nouveau par les deux narines. Puis vous bouchez, toujours avec la moudra. Et là, c'est à droite que ça sort. Et vous êtes toujours concentré sur ce ventre qui se contracte à l'expire vers l'intérieur du corps et vers le haut du corps. Puis vient l'inspire. Donc, à nouveau, vous posez la main sur la cuisse et les poumons se remplissent par les deux narines avec un son dans la gorge. Vous bouchez et l'air sort par la narine gauche, freinée. La droite est complètement bouchée. Toujours observez le ventre. Puis, la main revient sur la cuisse pour l'inspire, qui est freinée dans la gorge. Les poumons se remplissent, puis vous bouchez le nez, et c'est à droite que ça sort. Vous avez tout compris, vous êtes bien concentré sur le ventre. Encore 4 fois pour chaque narine, s'il vous plaît, à votre rythme, à vous. Si vous avez fini, vous pouvez déplier vos jambes
vous allonger si c'est plus agréable pour vous pour le temps de méditation. À moins que vous préfériez prendre ce temps de méditation en assise. Oui, c'est bien, Amalia, de changer régulièrement le croisé des jambes. De penser à « j'ai mis quelle jambe dessus aujourd'hui ou ce matin ?» Sinon, en fait, il va y avoir au bout d'un moment une distorsion dans les hanches. Et je pense que j'ai déjà une jambe qui est plus flexible que l'autre. Oui, donc il faut penser à faire travailler la moins flexible. Et aussi, prends soin d'amener le talon dans l'aine. Tu vois, pour ne pas que ton pied soit tout cassé. Voilà, de bien monter le pied sur la cuisse. C'est ça. Je vous apprécie beaucoup. Je vous apprécie. Voilà. Super. Céline ? Oui, ma chérie. Excuse-moi, la méditation, ça dure combien de temps ? Oui, on est en retard. Non, mais c'est pour Sacha, je dois l'emmener quelque part. J'ai juste besoin de savoir. Écoute, là, je dirais, on en a pour un petit quart d'heure ou un bon quart d'heure. C'est super, super, pas de problème. Ça va ? Oui, oui. Cool. Oui, vérifiez que vous êtes bien. Hein ? Voilà, que le corps est bien, que le corps a bien chaud. Parce que si vous n'êtes pas bien, le corps va dire « Attends, tu voudrais bien que je pense à rien, mais moi, je te rappelle que je suis obligée de penser que j'ai mal. » Là, vous prenez conscience de votre respiration naturelle, la respiration spontanée, du contact de l'air dans les narines. Du léger mouvement du bas-ventre et du diaphragme qui montent et descendent à chaque souffle. Des courants de vibrations qui vont et viennent dans le corps, comme des vagues, au rythme de votre respiration. Prenez conscience du son de chaque souffle. À l'inspiration, je vous invite à chanter So à l'expiration, le souffle chante. Vous laissez chaque expiration s'allonger sans pause, sans à-coup. Vous êtes consciente du chant et du silence après chaque inspiration et chaque expiration. Vous ne faites rien, ça respire tout seul. Vous êtes simplement témoin du souffle qui chante le mantra naturel à travers vous, sans effort. Prenez conscience du son de chaque souffle. À l'inspiration, le souffle chante saut, un long haut. À l'expiration, le souffle chante ha, un long ha. À l'inspiration, le souffle chante sou. Cela, la conscience. À l'expiration, il chante. Ah.
Je suis. Laissez chaque respiration vous ramener dans cette lumière qui éclaire tout. Dans ce silence caché sous l'aspect sensible du son. Et sentez que vous êtes cela. Je vous invite à amener maintenant l'attention dans le centre de la tête. Et laissez le souffle aller et venir plusieurs fois dans cet espace. Avec chaque souffle, videz-vous complètement de toutes les impressions liées à l'état de veille, de toutes les impressions liées au corps et au monde extérieur. Si le mental est encore agité, entendez le son sur chaque souffle en le laissant peu à peu se résorber dans l'espace silencieux. Laissez ensuite l'attention descendre dans le centre de la gorge, s'il vous plaît, afin de poursuivre le même processus. En se vidant des impressions liées à l'état de rêve, en laissant les vibrations grossières, les impressions sensorielles, les émotions, les pensées, les images se dissoudre dans le vide de la gorge. Vous pouvez ici ressentir la présence de la pleine lune ou d'une simple lueur comme un pâle clair de lune. Et si le mental est encore agité, entendez le son. Sur chaque souffle, en le laissant peu à peu se résorber dans l'état, dans l'espace de silence. Respirez librement, sans aucune intention de contrôler. Faites cela plusieurs fois.
puis descendez dans le centre du cœur, entre les deux seins. Laissez aller le souffle. À chaque expiration, videz-vous de toute pensée relative au passé, au futur et au présent. Videz-vous de toute mémoire. Laissez se dissoudre le sens du moi et le sens du faire. Si les pensées continuent de se manifester, entendez le son. Sur chaque souffle, en le laissant peu à peu se résorber dans l'espace silencieux. Vivez chaque expiration comme si c'était la dernière, comme si vous alliez vous endormir ou mourir d'un instant à l'autre. Sentez la pause à vide à la fin de l'expiration. Glissez doucement vers le sommeil conscient. Prenez conscience du passage. Le pas du sage. La respiration est naturelle, fluide, sans pause. Le souffle vous plonge dans la caverne du cœur. Vous pénétrez une grotte sombre, noire. Continuez de respirer dans le centre du cœur et enfoncez-vous dans cette caverne. Jusqu'à ressentir que vous êtes bien dedans. Ne faites plus rien, ne cherchez pas non plus à ne rien faire. Demeurez ici et maintenant, tel que vous êtes. Savourez simplement ce repos total. Ce repos total. C'est une jouissance sans fin. Tout révèle cette joie sans fin. Ananda en sanskrit.
Et vous êtes là. Doucement, reprenez conscience de votre corps, la position de votre corps. Et aussi une conscience profonde de cet état de détente et de relaxation. Conscience d'être. Vous reprenez conscience de vos mains, de vos bras, de vos jambes, de vos pieds, de tout votre corps. Prenez votre temps. Voilà, commencez à bouger si le cœur vous en dit. Les doigts, les mains, les pieds. Bien sûr, vous prenez votre temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous revenez à votre rythme. Sans vous presser. C'est seulement lorsque vous sentirez que vous êtes prête que vous pourrez bouger un peu plus et revenir à ce niveau de conscience, à ce niveau de réalité. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Merci Amalia, merci Yvette, merci Flo. Merci Catherine. Merci Céline. Merci Virjou. Merci Véro. Voilà Marie-Christine. Merci Anne. Merci Marie-Christine. Ça va, ma Virjou, Sacha va pas être trop mécontent. Non, t'inquiète pas. D'accord. Merci. Moi qui vous remercie. Merci Emma. Je vous invite vraiment à rester dans cet espace du cœur. Je vais vous quitter. Je vous embrasse. De rester les yeux fermés, le cœur ouvert, ça fait peur au mental et pourtant, on se souvient que l'esprit intuitif est un cadeau sacré. Le mental doit être au service de cela. Ça nous laisse sans voix. Si vous avez envie de partager quelque chose avec la voix, surtout, vous pouvez. Hein. Moi, je vous quitte. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yvette. Merci. Bon, je vais aller emmener mon fils, moi. Oui, ma Virjou. J'aurais bien fait la causette. Salut. Bon allez, bonne journée à vous, merci beaucoup hein. Salut, merci, au revoir. Ouais. Au revoir. Au revoir.
peux pas, j'ai poterie, j'avais pas vu. Oh. C'est un t-shirt de ghost. Oui. Ah, j'adore. Bah ouais, tu m'étonnes, moi aussi j'aimerais bien avoir poterie avec lui. J'adorais tout à l'heure quand tu parlais d'être amoureux et que c'est vraiment aussi un lâcher prise dans un espace de vide où tout est plein mais on sait rien et que ça vaut le coup pour accueillir tous les possibles, de ne rien préjuger, de ne rien prévoir, de ne rien anticiper, de ne rien attendre. C'est ça. C'est vrai. C'est au moment où on se dit, ben, tant pis, si ça n'arrive pas, c'est pas grave, en fait. Mais oui. Alors, évidemment, on aurait pu aussi faire des étirements de psoas, mais vous vous souvenez que dans la pratique sur entre l'amour et la peur, j'ai fait beaucoup d'étirements de psoas. Parce que c'est parce que vous étirez le psoas que vous allez purifier ce muscle qui est le muscle de l'âme et qui vient du coup aussi par dualité, comme c'est le muscle de l'âme, se tacher de plein de peur, en fait. Pas se tacher, mais comment dirais-je, il est comme... j'ai de l'acide, tu vois, comme acidifié par les peurs. Voilà. Donc, on aurait pu aussi, mais je trouvais ça plus intéressant de travailler sur l'ouverture, la fermeture. L'ouverture, la fermeture, parce que c'est ça tout le temps, en fait. C'est rester le cœur ouvert tout en sachant aussi éliminer tout ce qui en nous vit dans la peur. Parce que ça s'accueille, ça se vit, ça s'élimine. Ça a été difficile pour moi, la pratique. C'est vrai? Ouais. Ouais. Je me dis mal. Ça me tirait, je n'ai pas bien. Ça tirait dans le bas du dos? Pas forcément. J'ai l'impression que ça me tirait de partout. Les bras, les... Je me sentais écartelée, quoi. Mais j'ai pas dû faire... Comme tu dis, le juste effort, j'ai pas dû faire ça bien. Ah, t'étais peut-être pas dans le juste effort. Ouais, j'ai pas bien géré. T'as laissé passer le souffle? Oui, ça, j'ai essayé. Ouais, j'étais très branchée là-dessus. Super. Ouais. Du coup, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Okay. Bisous, Catherine. Salut. Salut. Ben, moi, le truc où on prend les doigts de pied, j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'ai très très mal à l'ischion droit et être sur du dur, reposé sur mon ischion, c'est impossible. Donc, j'ai pas réussi à me mettre en équilibre sur. Ouais, je suis désolée. Ok, ça, mais tu sais, ça vaut le coup de le faire en asymétrie, peut-être. Ah, il y a Amalia qui est partie, j'ai pas vu. Donc, je lui dirai au revoir. Enfin, au revoir Amalia quand elle verra la vidéo en replay. Tu vois, tu mets ta jambe, celle-ci, tu la retournes comme ça. Mais ça va être la pratique de la semaine prochaine. Non, pas de la semaine prochaine, celle de début juin. Tu attrapes ici le pied et tu vois, tu le proposes comme ça. D'accord. Okay. Voilà. Et tu essayes de le vivre là comme ça. Tu goûtes cette posture. Évidemment, tu te mets sur l'ischion qui a pas mal en premier. Et après, tu le fais de l'autre côté. D'accord. Et tu le tentes comme ça. Donc, toujours tirer, en fait, par le coude pour rester le buste bien droit. Et tu essayes de le vivre, là. Voilà, de laisser le souffle. Quand je dis essaye de le vivre, c'est juste, en fait, de laisser le souffle faire la posture. Voilà, de tenter ça. Moi, cette posture-là m'a fait pleurer. Je sais pas, j'ai vécu un truc, j'ai pleuré. Ça a ouvert quelque chose dans l'équilibre, tout en ayant le cœur ouvert, ça. C'est pas mal. C'est vrai que c'est une posture difficile. Pour moi, les jambes tremblent, donc j'ai de la faiblesse quand même dans les jambes. Et je sais pas pourquoi, du coup. Il y a une émotion qui est montée ou c'était des larmes? De l'ego parce que les jambes tremblaient. Ben peut-être, tu sais pas trop. Tu sais pas trop.
Parce que moi, j'ai vu mon ego pleurer en pratique parce que j'arrivais pas à faire une posture. Et bon, ouais, je voyais bien que c'était l'ego. Hein. Je sais pas, ouais, c'est peut-être un mélange des deux, je sais pas. Ou des fois, ça nous prend, voilà, l'émotion vient et puis fouf, elle se détend là dans l'espace d'une posture. Elle vient se... Alors, c'est un cadeau sacré, les larmes, là, à ce moment-là. Hein. Peut-être c'est un peu... Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est peut-être un mélange des deux, quoi. Entre l'ego, elle est dure pour moi, mais en même temps, du coup, c'est là où je me mets en... je vois mes faiblesses, alors je sais pas. Ouais, je suis plus dans ma zone de confort et c'est génial parce que je plonge dans un truc inconnu. Et donc, je vis une émotion qui du coup peut me traverser. Je ne maîtrise plus. Et en même temps, l'ego, il a super peur de ça. Il n'aime pas ça du tout. Ouais. Et après, je rejoins Anne. Ça, c'était super dur pour moi. C'est con. Hein. Et... Les bras tendus comme ça, les respirations, waouh. Dans Dandasana, là, les 6 respirations avec les bras en l'air. Oh, ça, c'était super dur. Enfin, bon, en même temps, vous savez hein, que quand, par exemple, j'ai vu Marie-Christine adapter cette posture, cette pratique sur Paschimottanasana, je crois. Hein. Marie-Christine, tu plutôt que de rester 6 respirations comme ça, en flexion avant, tu revenais, tu y retournais. C'est ça. Hein. Oui, il ne faut pas non plus tirer sur le corps. Hein. Le corps est beaucoup plus intelligent que votre professeur. Et votre corps va vous dire bien mieux que votre professeur ce dont il a besoin aujourd'hui. Le professeur ne fait que proposer. C'est une invitation à quelque chose aujourd'hui. Et le corps vous dit, oui, j'ai bien envie d'aller explorer cet espace, d'accord, mais peut-être d'une autre façon, peut-être... avec cette adaptation-là, peut-être encore en dynamique et pas pour l'instant en statique, pas maintenant, mais Céline va nous envoyer la pratique et on pourra voir... S'exercer, voilà, voir comment je la fais évoluer, voir si je vais explorer le statique, voir si je vais explorer les jambes tendues ou si je reste un peu avec les jambes fléchies... Parce que votre professeur va vous envoyer la pratique demain et pas dans 15 jours. Non, moi je sais qu'il y a des positions que je peux pas faire. Hein. Donc, est-ce que OK? Voilà. Je vais pas non plus me torturer. Quoi. Mais carrément. Attends. Je vais essayer de la faire, mais bon, après... c'est trop difficile, c'est pas la peine. Hein. C'est ça. Parce que, en plus, vous avez compris, un groupe, en plus, vous n'avez pas toutes le même âge. Amalia, c'est carrément une gamine. On a Virjou qui est une danseuse. Voilà, chacun le vit avec son corps. Il y en a qui font des mouvements de cirque depuis l'âge de 4 ans. Flo, c'est une grande sportive, c'est une grande compétitrice, une grande championne de natation. Elle est raide comme un piqué. Mais par contre, elle va avoir une capacité, par exemple, je suis sûre, la table à deux pieds, t'aurais pu la tenir 8 ans et demi. C'est voilà. Comme les expirations et tout ça, je tiens 2 minutes, quoi. S'il faut le souffle. Hein, et par contre, le Dandasana flexion en avant, c'était. Attends, je détends, je respire longuement parce que... Si je ne mets pas le bas du dos plat, je me fais mal. Voilà. Donc, vraiment, goûtez votre corps. Hein, vraiment, goûtez-le parce qu'il n'y a pas de compète. On n'est pas là pour ça. On est vraiment... Qu'est-ce que je vis dans un moment d'expérience? Mon corps en fermeture, là. Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je vis? Comment je peux laisser aller, justement, l'émotion? Voilà, Emma a pleuré. Comment je peux laisser aller ça? Ouais. Laisser aller le souffle. C'est vraiment le souffle, encore une fois, qui fait la posture. C'est pas l'ego qui fait la posture. Hein. Jamais. Parce que l'ego, c'est les pieds dans le tapis, forcément. Hein. Bon, si je reviens au début de la conversation, c'est encore l'image du yoga avec
la prof super bonne, la nana qui elle a pas un pet de transpiration, d'essoufflement, elle reste dans la posture. Elle est, enfin, c'est encore des carcans qui se mettent encore sur le yoga, ou enfin c'est rigolo quoi. C'est pour ça que nos professeurs nous invitent à ne rien montrer. À tellement expliquer la posture que normalement, si j'étais un vrai bon professeur, je ne vous montrerais pas du tout. Et je saurais vous l'expliquer sans même la montrer, parce que c'est une expérience qui se vit dans le souffle et pas du tout dans l'ego qui veut faire de la forme et qui veut performer un truc. Tu vois, et on a tellement vite fait de se prendre les pieds dans le tapis avec... Waouh, c'est beau, c'est moche. Et vas-y, on retombe là-dedans. C'est bien, c'est mal. C'est le corps dans le souffle. Donc, c'est la sensation, le ressenti du corps qui ne manque jamais. Donc, ça n'a rien à voir avec une forme. Oui, mais je trouve que comme on ne se voit pas, c'est beau, c'est bien aussi d'avoir l'image de la forme que ça doit avoir. Parce que c'est quand même... Comme on se voit pas soi-même, c'est pas mal. Ça ne doit pas avoir une forme, mais en effet, c'est tendre vers un espace. Voilà, c'est comme quand je vous disais, on va aller au refuge. Voilà, je monte le refuge, mais enfin, de loin, tu ne vois pas bien le refuge, tu ne sais pas trop quelle forme il a, puis on s'en fout, quoi. C'est, bon, alors l'aventure, c'est d'aller dans ce refuge, dans la montagne. C'est marrant parce que le tai chi, c'est exactement l'inverse. On ne dit pas un mot, on n'explique rien. C'est que reproduire comme on peut visuellement ce qu'on voit. C'est absolument l'inverse, alors qu'en fait, c'est quand même le but et le même. Et j'avais fait un cours de tai chi justement quand je me demandais, bon alors yoga, qigong, tai chi, shiatsu d'ailleurs aussi. Et comme en tant que danseuse, on pratique beaucoup ça, le fait de... tu regardes en face... T'as fait zéro répète avec les copines parce que ça coûte trop cher les répètes. Tu montes sur scène, on dit juste, on a des codes pour savoir à peu près où on est placé, c'est-à-dire, pour les scènes, c'était, t'es en B6, tu vois, j'avais fait une bataille navale sur scène, du coup, chaque personne savait que tel endroit, c'était tel endroit. Et tu regardes en face, et juste avec le ressenti du corps et avec les yeux comme ça, donc, tu affiches un sourire de circonstance, tu peux exactement suivre ce qui se passe. Et donc, en fait, tu as tellement pris l'habitude de te laisser envahir par l'énergie du groupe que tu peux suivre tous les mouvements, en fait. Et avec l'habitude aussi, tu vois, de le faire, ça vient tout seul. Ce qui fait qu'en arrivé justement en tai chi, le prof me dit, mais t'es maître tai chi. Je sais suivre un groupe. Et du coup, j'apprenais rien du tout, tellement que mon mental avait tellement appris à refaire du mouvement dans un instant présent. Donc là, pour le coup, j'évoluais pas en tai chi parce que j'étais tellement habituée à vivre ça. J'avais besoin de... Par contre, j'avais besoin du souffle. En plus, étant une très grosse fumeuse à l'époque... très très grosse fumeuse, j'avais besoin de vivre le souffle et justement qu'on retire toutes les formes. Donc, c'était mon expérience à moi qui nécessitait, et d'aller tellement jusqu'à retirer les formes que j'en suis à l'expérience de la trame sans avoir personne sous la main. Et c'est là où elle est la plus puissante, et je t'ai épatée de ça dans ce chaos justement du confinement où je ne peux plus recevoir les gens chez moi pour leur donner le soin. Il ne me reste plus que ma confiance. Zéro doute. Zéro doute. Ça se fait. Et c'était magique, justement, de voir à quel point c'était encore plus puissant, parce que mon ego ne pouvait même plus se satisfaire d'avoir quelqu'un sous les mains. J'ai retiré complètement la forme, j'avais plus rien. J'avais plus que moi. Et j'ai même carrément retiré les gestes. Je les ai faits mentalement. Et là, je confirme que c'est super puissant. Et je confirme aussi au nom de ma belle-sœur, hein, qui l'a vécu deux fois et qui trouve ça hallucinant. Ouais. Et pourtant, elle est des milliers de kilomètres. Ouais, elle est dans le sud de la France. Ouais. Ouais, ouais. Elle a vécu deux fois la trame, avec une puissance incroyable.
Moi, il m'a fallu ça, ouais. Passer par le tout physique jusqu'à plus rien. Plus de physique du tout. Et la confiance seulement. Plus que la confiance. Shraddha, Shraddha, Shraddha. Pour être dans la contemplation, Santosha. Et du coup, la joie, Ananda. Qui donne une puissance incroyable, Feria. De la forme à plus de forme. J'adore Emma. Bon, je vais vous laisser. Merci. Merci beaucoup. Puis à dimanche prochain. Et donc, alors, pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Là, je ne sais plus, moi, tu sais. Ça donne le 7 juin, je crois. Ouais. Ça marche. Ça marche. Salut, Anne. Salut, salut. Et je vais vous envoyer très vite le lien parce que vous êtes déjà toutes inscrites. Donc. Au revoir tout le monde, au revoir Céline, merci. Salut Marie-Christine, merci. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. Merci. Bon, ben, moi j'y vais aussi les filles alors. Bon, hein, oui, parce que toi t'as les tiennes qui t'attendent. Ouais, elles m'attendent pour manger, j'entends que ça bouge un peu là-bas, de l'autre côté. Céline. Merci, hein, c'était super. Merci à vous. Hein. Bon, à bientôt. À tout bientôt. Loupé, je voulais redemander à Anne, c'est quoi la phrase de Anne? Ah, elle est partie, Anne, ma chérie. Demandez-la. Je la connais par cœur, c'est toi qui l'as dit. Ah, la phrase demandez-la. Attends, bouge pas parce qu'elle l'a écrite ici. Bien, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est marqué dans les messages. Et Flo nous met merci à toi et à toutes pour ces merveilleux échanges. C'est vrai, c'est super les échanges et tout au début, c'est vraiment. Et merci pour oser parler de vous comme ça à cœur ouvert. Justement, l'autre jour, il y avait Franck Lobvé qui disait quand on veut vraiment que des échanges particuliers avec quelqu'un, c'est que quelque part on a peur de sa transparence. Et quand on ose dire au groupe, eh ben, c'est parce qu'on est prêt à l'honnêteté. Et c'est vrai, je trouve. Oui. Il y a aussi une nouvelle de Ray Bradbury qui est géniale parce que c'est des extraterrestres en fait. Ils sont totalement transparents, ils ne peuvent pas cacher leurs sentiments. Alors soit ils parlent à cœur ouvert, soit ils sont obligés de partir pour pas qu'on voit ce qu'ils ressentent. Transparent, c'est drôle, ça m'a vachement marqué. Ah mais c'est génial, c'est exactement ça quoi. Ouais. Moi, puis après, du coup, c'est vrai qu'on se connaît les unes les autres et puis du coup, on se dit, bah si. Si on ne peut pas se lâcher là, on se voit. Ouais. C'est vrai que maintenant, ça fait un bon petit groupe de copines. Ouais. C'est chouette. Ouais, puis après, c'est vrai que tout le monde... moi, je sais que les gens qui m'entourent, ils ne sont pas tous ouverts et pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, c'est vrai que ça fait un espace d'échange intéressant. Quoi. Donc, où on n'est pas pris pour une tarée, ou une folle, ou une trop perchée. Où on ose dire vraiment tout, mais pas comme dans la vie tous les jours, où souvent on édulcore. C'est vrai. Emmanuel aussi, tu devrais lire « Trop intelligent pour être heureux ?» Point d'interrogation. Je pense que tu devrais lire ce livre. Flo m'a offert ce livre l'autre jour. Ouais, il faut que tu le lises surtout. Et c'est Jeanne Sioux-Faquin qui l'a écrit. Ça s'écrit S-I-A-U-D-F-A-Q-U-I-N, je pense. S-I-A-U-D. Oui, F-A-Q-U-I-N, un truc comme ça. Jeanne, je crois. Et en tout cas, c'est trop intelligent pour être heureux, point d'interrogation. La réponse est non, bien sûr. Mais c'est vraiment intéressant. Mais je pense que... Enfin bon, Emmanuel, je ne te connais pas tant que ça, mais je pense que mon petit doigt me dit que ça devrait bien te concerner aussi. D'accord. Quant à Céline, j'en suis sûre. Non, mais c'est vrai parce que voilà, plus on s'éveille là, en faisant les cours de yoga, en côtoyant Céline, on évolue, on modèle son mode de pensée et puis... On essaie de tendre vers modéliser aussi sa façon d'agir, mais c'est vrai que par rapport aux autres, on se dit à un moment, est-ce que, c'est vrai que
finalement, on va finir par être en décalage avec certaines personnes qui nous entourent, enfin, peut-être. Je pense pas, parce que en fait, je pense que Céline, elle modèle rien du tout. Elle laisse l'espace pour qu'on exprime ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Elle donne l'espace, elle offre l'espace. Et tu vois, par exemple, alors, moi, je dirais plus évoluer maintenant. Je dirais que c'est tellement un retour à soi, c'est vraiment regarder à l'envers, c'est-à-dire allant vers soi. Et c'est tellement un miroir de soi qu'en fait, on n'évolue pas. En fait, on va nulle part. Tu vois, il n'y a nulle part où aller finalement. Lui, c'est tellement un retour à soi. Et l'autre jour, j'ai vu pendant un repas que j'ai donné à la maison, c'est jeudi, je voyais que je lançais des perches, tu vois, de trucs. Justement, je voulais parler de cette histoire du renoncement qui m'a mis tellement détendue, tellement ramenée à la paix, tellement ramenée à la sérénité, et j'avais envie d'en parler. Et en fait, ça passait pas. C'était, non, ça avait envie de parler plutôt, je sais pas, de la facture EDF, des trucs, ok, bon, comme ça, d'accord. Et à un moment donné, il y a une des jeunes filles qui avait mal au ventre. Là, je dis, bon, ben, je sors mon argile, quoi, tu vois, c'est bon, quoi. Et puis, je leur dis, c'est de l'eau de lune. Et tout le monde me voit la secouer, en fait, voilà, c'est ça. Ah oui, parce que c'était pas de l'eau de lune, voilà, c'est ça. C'est parce que je venais de la remplir au robinet, j'en avais plus de l'eau de lune, et voilà que je secoue la bouteille. Mais qu'est-ce que tu... Carrément, les potes, c'est... Mais qu'est-ce que tu branles? Ah oui, qu'est-ce que tu branles? Ben, une bouteille, et je suis en train de branler la bouteille. Ben, mais ça va pas et tout, à quoi ça te sert? Ben, c'est pour raviver l'eau, pour la rendre vivante. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben, je leur ai raconté mon histoire de l'eau qui a besoin d'être vivifiée, ranimée parce qu'elle est morte dans nos tuyaux et tout ça. Et bon, eh ben, ça a donné lieu à une petite discussion de le plastique et gna gna gna. Et c'était chouette, mais qu'est-ce que tu vas nous faire bouffer de la terre? Eh ben, en attendant, il y en a deux qui ont bouffé la terre. Et en effet, bah, 20 minutes après, ils n'avaient plus mal au bide. Et puis, bah, en attendant, j'ai sorti mes insectes. Et je leur ai dit, bah ouais, mais si on veut arrêter bah, de pourrir la planète avec tous ces élevages de trop de bœufs, parce que c'est génial, moi j'adore les vaches, hein, c'est pas le problème, mais il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, les pauvres, elles vivent dans des conditions absolument lamentables. Donc, c'est énormément un égrégore de souffrance partout, quoi, à cause de ces vaches qui vivent dans des conditions lamentables, tous ces porcs qui vivent dans des conditions lamentables, tous ces poulets qui vivent dans des conditions lamentables. Et ben, j'ai sorti mes insectes parce que ils vivent bien, tu vois, de toute façon, ils vivent dans la farine, quoi. Donc, que ce soit ici ou dans un élevage, ça les dérange. Des insectes à bouffer. Mais oui, des vers de farine, les vers de ténébrion. Et j'ai sorti ça, et ben, tout le monde a goûté. Tout le monde a goûté. Donc, je pense un peu pour une illuminée, c'est pas grave. En attendant, si ça peut proposer que pour des protéines, on bouffe plutôt des vers de farine plutôt que des poules, des porcs, des vaches, moins du moins, tu vois, ou alors des élevés par des éleveurs super sympas à côté de chez moi. J'adore les éleveurs à côté de chez moi, ils sont super cool. Mais ils ont quoi, 10, 15 vaches? Ils y mettent tout leur cœur. Elles vont dans les champs, elles bouffent de l'herbe et des fleurs et elles sont heureuses et voilà. Et là, je veux bien bouffer cette viande-là, quoi. Mais pas le reste de viande. Et donc, bah, peut-être du coup, bah, je peux me payer aller une demi-vache par an, tu vois, pas plus, parce que bon, bah, voilà, ça coûte quand même un sacré paquet. Bah, le reste, je me nourris avec mes vers. Ce que je peux même faire moi-même, tu vois, j'ai un truc comme ça avec des vers dedans. Et puis après, bah, je les récupère, je les fous dans la poêle, ils grillent. Ah, tu me fais goûter, hein, ça, moi je veux goûter. Mais carrément, avec un petit peu de curry là-dessus, tu vois, allez, zou, c'est parti. Ok, Céline, c'est une grosse illuminée. Ouais, d'accord, ok, mais enfin, si on peut éviter que la planète, tu vois. Bon, enfin, après, vous rejette. En Occident, hein. Moi je suis allée pas mal en Asie, j'ai goûté de tout. Hein, du... Partout pareil. La tarentule, du scorpion, du criquet, des vers de palmier, du poil de cochon. Par contre, j'ai jamais goûté là le gros ver gluant juteux là. Moi non plus, oui. Alors moi, je l'ai goûté mais grillé dessus, hein. Juteux dedans, j'adore, mais grillé dessus. Hein. Vivant, je peux pas. Hein. Vivant, j'y arrive pas encore.
Mais quand tu dis le décalage par rapport aux gens, parce que toi, tu te dis, ben, moi, je m'ouvre, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est comme au yoga, chacun fait avec là où il en est, en fait. C'est pas incompatible, la preuve, on arrive à faire du yoga ensemble alors qu'on n'a pas du tout la même souplesse. Et je pense que l'esprit, c'est pareil. Simplement, et on peut pas tout dire. Oui, il y a des choses, il y a des gens, ça passera pas, comme tu disais. On peut pas tout dire à tout le monde, quoi. Enfin, c'est... Non, parce que t'en as, ils te regardent, mais forcément, s'ils n'en sont pas là, ils peuvent pas... Mais tu sais quoi, je me dis, j'ai carrément dit à un moment donné, il y a un type, il me dit, que de toute façon, moi, je ne crois que ce que je vois. Je lui dis, bah alors t'es un ignorant, parce que tu serais un peu un scientifique, tu dirais, je ne peux voir que ce que je crois. Mmh. Et là, il l'a pris comme ça, je lui dis, oui, t'es un ignorant. Si tu étais un vrai scientifique, eh ben, tu serais plus un matérialiste et depuis bien longtemps. Et maintenant que je suis entrée dans ma juste autorité, je le dis. Céline, t'es fêlée. Ben, toi, je suis peut-être fêlée, mais toi, t'es un ignorant. Mm-hmm. Voilà. Moi, je suis un peu, tout petit peu plus renseignée que toi. C'est ouais, mais alors, ouais, mais alors, du coup, c'est ça que je me demandais. Quand tu parlais de ton repas, ok, machin, ça a généré une discussion. Les gens, ils sont ouverts. Nanana, ça a titillé des choses chez les uns, chez les autres. Si, par exemple, tu vois, ouvert fermeture, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ben là, il y a une fermeture, comme je disais à Flo. Il y a une fermeture, il y a un mec qui m'a dit, moi, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. Je lui dis, alors, t'es un ignorant. Toi, ton comportement, c'est quoi? Est-ce que, du coup, tu laisses glisser et tu passes à autre chose? Ou est-ce que, parce que là, tu le juges, en fait, en faisant ça? Non, je ne juge pas, là. Non, je suis dans ma juste autorité. À un moment donné, c'est... les scientifiques ont prouvé la nature du 1. À un moment donné, stop. On arrête avec l'ignorance, quoi. C'est comme on mettait les gens en prison parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. À un moment donné, ça suffit, quoi. C'est stop. Stop, t'arrêtes de me faire passer pour une conne. T'arrêtes de me faire passer pour une idiote sous prétexte que tu es encore dans le matérialisme. Alors, le matérialisme, si tu étais un tout petit peu plus renseigné, eh bien, tu saurais que c'est obsolète au possible. Point barre. Non, je ne juge pas. J'entre dans ma juste autorité. Je ne veux plus qu'on m'insulte. Je refuse qu'on continue de m'insulter sur de l'ignorance. C'est tout. Tu es encore sur quelque chose que tu ne peux pas prouver. Ah si. Nassima Amine a prouvé la masse holographique à Pâques. Donc ça y est, le 1 est prouvé. Donc il y a des scientifiques qui se cassent le cul à prouver des trucs. On va utiliser ça quand même à un moment. Mais le truc, je refuse qu'on continue de me faire passer pour une. Céline, cuicui et petits oiseaux. Stop, 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 je l'ai trop entendu. Je ne veux plus. Les ignorants, c'est pas moi. Mais en fait, c'est comme le coup de la Terre qui est ronde et qui tourne. En fait, c'est subversif. Les gens se retrouvent en tôle, voire zigouillés, parce que c'est subversif, parce que l'Église a décidé qu'il fallait dire ça. Alors, du coup, il ne faut pas dire autre chose, c'est tout. Ouais. Et on en est exactement dans le même mode de pensée unique. Moi, quand je voyais des journaux pendant la crise, là, le confinement du Parisien, qui disait oui, il y a encore des gourous. Alors d'ailleurs, gourou, ça veut dire ami spirituel, donc ça serait peut-être bien de ne pas l'utiliser n'importe comment. Qui surfe sur la peur que le Parisien distille tous les jours avec soin pour vous vendre des cures de jeûne et des bains froids, les trucs les plus gratuits de la Terre. Tu ne bouffes pas, tu prends des bains froids, tu dépenses zéro. C'est gratuit. Et voilà, pour vous vendre quoi, du gratuit? Ben, pour vous vendre du gratuit, alors que c'est juste, les gars, stimuler votre immunité avec des choses qui ne coûtent rien et qui fonctionnent à merveille. Et c'est prouvé. Mais qui sont vécus par les humains depuis la nuit des temps. Ben, tu vois, ils se font traîner dans la peau alors qu'ils ne vendent rien. En fait. N'importe quel animal, quand il est malade, il se roule en boule et il arrête de bouffer. Hein. C'est ça. Donc, c'est subversif parce que tu ne dis pas comme tout le monde. Donc, voilà, on te met de côté. C'est ça le problème. En fait, ce n'est pas que tu aies raison ou tort. Et on te dit, en plus, tu es en train de faire sur la peur des autres. Hey, stop. Stop. À un moment donné, tu ne m'utilises pas pour ta manipulation. Parce que beaucoup de manipulateurs, donc des peureux, justement, utilisent cette intelligence qui est en train d'émerger, cette conscience qui est en train d'émerger. Ils utilisent ça pour nourrir encore leur manipulation. Alors là, par contre, moi, je suis ferme. Actuellement, je suis devenue, mais vraiment, droite, debout. Tu vois, quand je disais un homme debout, je suis debout. Dans ce renoncement-là, tu vois, entre la pomme et la paix, je suis debout. Je ne suis jamais à courber l'échine. Je suis debout. Clac.
Ah, en ce moment, mais moi, mon frère, par exemple, l'autre jour, je lui dis non, je refuse que tu me parles comme ça. Je refuse que tu dises ça. Je t'interdis. Je ne suis pas d'accord. Je t'interdis que tu me juges. Je t'interdis que tu essayes de m'écraser pour essayer de... Tu vois, il fait comme ça. Mais avec tout le monde, tout le temps. Et ça a toujours été. Et là, j'ai dit stop. Quelle que soit la réaction en face. Hein, il peut me dire, Céline, je ne te parle plus pendant toute la vie. C'est ça, très bien. Ok, vas-y, ne me parle plus pendant toute la vie. Et tu sais ce qui s'est passé? Comme c'était dans la juste autorité, c'était pleinement aligné. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. La phrase, elle est sortie toute seule. Il m'a dit, je suis désolée. Pardonne-moi. Très bien. Mais oui, c'était tellement aligné, c'était tellement dit à partir du cœur. Non! Non, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, je te jure que c'est vrai. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Ouais, c'est bien. Ouais. Non. Oui, ça t'a pas déstabilisé, quoi. Et mon cœur ne s'est pas mis à battre plus vite, hein. Du tout. Il n'y a pas eu une peur, ça a été un non posé sur de l'amour. De l'amour de qui je suis et donc de l'amour de lui. Je l'aime. C'est mon frère. Je l'aime. Et il a tout de suite senti tout l'amour, toute la lumière qui émanait de ce nom. Il m'a dit, je suis désolée. Pardonne-moi. Je te pardonne tout de suite. Évidemment, je t'aime. Petit boudin rangé. Voilà, c'est ça, petit boudin. Tu vas ranger ton petit boudin et tu ne verras plus avec ton petit boudin à toi. Déjà, j'ai pas mal à faire avec les miens. Bon, bah, c'était chouette. Bon. Je vais aller quand même. Merci, merci aussi à Véro. Merci Véro qui est toujours là. Merci. Salut. Salut les filles. Merci. Dans 15 jours alors. À dans 15 jours alors. Yes. Ciao. Salut. Ciao. Out.